secure Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 22 de Culture Bulle. Ce soir, au menu, deux choses qui me plaisent tout particulièrement puisque nous allons parler, un jeu vidéo et bande dessinée. Euh, donc, la vie est quand même particulièrement douce ce soir. J'espère que vous allez bien. Coucou Ditgo, coucou Lady, bien bonsoir Lucie, coucou Patatouf, coucou Sandrine, coucou Fini, euh, coucou et bien le bonjour Nova Pyjama, coucou Ilvedia, euh, coucou Asenka, bien le bonjour et à tout de suite, coucou Mimou, coucou Monkey Fred, coucou Raven, coucou Super Lavette, coucou Missile, coucou Soy Boudine, coucou Saturne, recoucou Patatouf, coucou Ditgo, coucou Shikaroko, coucou Renard Rusé, coucou NGL Strepa. Bien bonjour Mathieu NGI. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous parlons de deux sujets qui m'excitent tout particulièrement, puisqu'on va combiner et le jeu vidéo et la bande dessinée et le manga. Pour ce faire, nous avons deux invités de choix, Guillaume Dhorizon et Kei Asenka, spécialiste du, gr... du rétro gaming devant l'Internet, scénariste de bande dessinée, auteur d'un manga sur le monde de l'e-sport, donc en soi. On peut pas plus caler et nous allons avoir Pascal Benatar qui bosse chez Microïde, Microïde qui est notamment connu pour toutes ses adaptations de jeux issus de l'univers de la bande dessinée. Donc du coup euh, deux invités, ma foi, sommes tout qualitatifs pour euh, parler de vaste sujet qui est l'adaptation. Et euh, tout de suite, euh, on va lancer le générique. Si jamais Coucou more euh, Dougi Doug et Space Cairo, qui est à la régie avec nous ce soir veut bien vous dire bonjour avant. Bonsoir. Waouh, une nouvelle voie robotique, c'est absolument incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé comme transition de sortie basée sur l'univers du jeu vidéo. Mais avant toute chose, vous le savez, on lance le générique avec un, cla un claquement de doigts. Coucou, c'est et oui, une belle brochette. Ah, oh, il était prêt le con Et bonsoir à tous les deux. Euh, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Hugs, bonsoir Pascal. Bonsoir le chat, content d'être avec vous. Même pas poser la question qu'il mais parfait. Et toi Pascal, est-ce que tu es content d'être là du coup Ce maintenant tu es obligé d'y répondre. Ah alors Pascal, ton micro est coupé, sache-le. Et voilà. Eh, hey, rebonjour. Il va falloir que tu te le refasses aussi bien que la première fois. Euh, non, ce sera pas possible. Donc, après une dure journée euh, de labeur euh, au sein de MicroHit, je suis très heureux de me détendre avec, euh, avec vous tous. Eh ben, écoute, c'est le but passer la soirée à parler jeux vidéo, bande dessinée, manga. Je t'avais que pour un lundi soir, ouais. moi, c'est un programme qui me va particulièrement bien. Avant toute chose, euh, Guillaume, tu... il faut savoir que juste avant, quand on préparait, Guillaume a dit genre, Tu veux que je t'allume une console derrière, vite fait, pour que ça rentre bien Alors, déjà, ça rend bien. Et ensuite, tu nous as allumé quatre. Les trois petites, ça tue. Ça marche ouais. trop bien. Bon, les trois petites, on ne voit pas grand-chose. Mais il y a des trucs bien dessus, hein, les, sur les, ces consoles mini. Mais c'est vrai que bon, là, on ne voit pas forcément... Euh, voilà. Bon, ça, on voit plus sur le PVM. Mais bon, y a, dans l'idée, ça fait de la déco. Ah, mais dans l'idée, ça rajoute de la vie. Euh, la vie est belle. Quoi. Donc, euh, on valide. Exactement. En vrai, c'est rare qu'on ait 100% des invités avec euh, un background ultra travaillé. On a déjà eu des toilettes. Des toilettes On a déjà eu ouais, des est chambres. Stylé, ah, ben bah, tu sais, bien. des fois on fait ce qu'on peut avec bien. le Wi-Fi. Hein. C'est-à-dire qu'on qu envoie qu l'invité avec son portable là où le Wi-Fi passe le mieux, tu vois. Donc tu là, tous les deux dans bureau les un bureau avec un France ça Tu tues. donnes des idées. Hein. Oh, la prochaine fois, ouais, on va se faire un peu. Ouais, plus... C'est ça, découvrez la nouvelle émission de trop Guillaume trop. Dérision en direct des toilettes. Uniquement consacrée aux consoles portables. Mais c'est vrai. Bien bonsoir, Piflo. Mais oui, on est chaud. Gros débat, quelle est la meilleure console pour jouer aux chiottes Non, mais ça, c'est. En vrai, je suis désolé, mais ça fait les meilleures vidéos TikTok possibles. C'est vrai. Ouais. T'appelles ça TikTok chiottes du <laughs> <Tu> cartonnes. <laughs> Book chiottes, ouais, d'accord. Avant, ah, euh, exactement. Euh, ouais, ouais. On s'en ouais, ouais. fout le tocam. On, on est bien rentré dans le sujet, je pense. Oui, ça y est, on est parti. L'émission est lancée. Avant de s'attaquer au sujet du jour qui sont les jeux vidéo et la bande dessinée et comment ces deux mondes font pour se rencontrer. Il y avait ce week-end, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, le festival d'Angoulême, le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, au lieu de culte pour tous les aficionados de bande dessinée et de manga. Et Guillaume y est allé pour nous, vraiment en reportage. Il a couvert le terrain pendant les quatre jours. Guillaume, comment est-ce que tu as vécu ce festival, toi qui as pu y être euh, Non, j'étais. Alors. Il faut dire euh, ce qui était hyper intéressant cette année, c'est qu'il y avait vraiment une hype. y a mal autant de l'attaque des titans, enfin, mm -hmm. tu étais vraiment une hype de fou autour du manga. Et c'est vrai que tout ce qui était espace manga, et ça, c'était euh, blindé, euh, c'était assez intéressant. Puis c'était la, la 50e édition, le vrai retour, on pourrait dire, après le, le Covid, après et le espace, Covid, euh, l'espace voilà, manga city. Euh, était bien, peut-être un peu excentré, mais euh, franchement en termes de déco, euh, c'était plutôt très chouette. Ça fait, faut comprendre que l'espace manga à Angoulême c'est très très différent de par exemple, de Japan Expo. C'est pas, euh, c'est, ça garde en fait l'essence d'Angoulême, les expos, les auteurs, les éditeurs, la, ce genre de mise en avant euh, fourdu dans le manga. Mais euh, le manga n'est pas euh, l'essence du salon de, mm -hmm. de la Festival BD d'Angoulême. Mais bien sûr, au Festival BD d'Angoulême puisqu'on est quand même chez depuis la BD. Euh, euh, l'éditeur c'était vraiment blindé. Hein. Avec un bel espace puits qui maintenant intègre les mangas Vega. T'as vu quand même hey, Tout hey, à fait. Hey, 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 ça à hey, réviser, hein. hey, 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 ouais, ouais. Non non, non, non. C'est vrai que c'est marrant parce que le stand puits tu vois, il est il est au fond du haut le, du l'éditeur. Il y a une petite scène. Euh, il y a une ambiance. On voit que c'est les habitués. Ils savent vous positionner. Euh, euh, non mais ça fait plaisir. On, on avait l'impression d'être revenu euh, aux grandes éditions euh, aux grandes éditions d'Angoulême. Donc euh, moi je pense que de de mon point de vue, hein, de ce que j'ai vu, c'était plutôt une belle réussite. En plus, il y a des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux bars, <laughs> et, euh, et les soirées. Euh, et je remercie, je suis désolé, mon éditeur Kana, là, en l'occurrence, j'étais invité par Kana, euh, qui organisait des soirées absolument fantastiques et mémorables. Sachant que oh, l'intérêt d'un festival comme Angoulême, c'est comme tout se passe dans la ville, et que c'est vraiment toute la ville qui fait la BD, le manga, le comics, même le manga. Ah oui, la Wilder. ville vit au rythme euh, du voilà, festival pendant les quatre jours. Ça, hein. C'est pas en fait tu vas dans un hall, tu sors, tu rentres chez toi ou tu vas bouffer à Villepinte avec tes potes euh, C'était vraiment euh, ouais dans, dans le cadre d'un festival où il y a des trucs dans, dans toute la ville assez dispersés. Donc il y en a pour tous les goûts hein. euh, C'est ça aussi qui est intéressant. Il y en a qui veulent juste voir des expos, d'autres aller acheter des bouquins. Bon, il y en a pour tous les goûts. Mais je trouve que le mieux dans un festival, c'est pas forcément toujours le le, le stand en, en lui-même. Ouais voilà c'est tout ce qui va y avoir autour, l'ambiance, ce soit pour les visiteurs ou les professionnels. Hein. Euh, mais par exemple, je dis toujours aux gens, ils vont faire genre des heures et des heures de queue euh, pour voir euh, pour voir un auteur, et, et en fait tu vas le soir dans certains lieux, dans certains bars, il est là et puis tu peux aller lui parler, tu lui offres un verre, quoi. Ça va plus vite et ça donne une discussion un peu plus ambiancée. Voilà. Donc, ça, je pense que pour profiter d'Angoulême, il faut vraiment le vivre comme un festival et pas juste se dire euh, j'ai un ticket, euh, tu vois, je vais faire la queue, je vais acheter un manga. Oui, un, je vais faire la queue, été, je vais faire une dédicace, voilà. mais juste vraiment vivre ouais. au rythme d'Angoulême. Qu'est-ce que ça apporte, toi qui es du coup aussi auteur, qu'est-ce que ça apporte aux auteurs, un festival comme Angoulême il y a des gens qui disent d'ailleurs sur le chat c'est à l'enfer pour traverser la bulle éditeur c'est vrai, mais en fait vaut mieux y aller le jeudi en fait vaut mieux y aller le jeudi et en fait que le samedi oui je me ouais c'est vraiment beaucoup plus tranquille, le meilleur moment c'est le jeudi le vendredi ça passe encore mais c'est vrai que le samedi ça peut être très 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 compliqué pour accéder à certaines expos à certains auteurs, et c'est normal c'est un truc qui marche bien c'est pas extensible à l'infini puis la ville est pas gigantesque mais excuse-moi ta question c'est qu'est-ce que ça apporte à un auteur à un festival ouais. comme Angoulême Qu'est-ce que ça fait à un auteur d'aller à Angoulême Pourquoi est-ce que vous y allez hormis juste le fait de se dire genre bah c'est chouette et je vais faire la fête avec les potes alors il y a trois raisons. La première c'est que déjà quand tu es un éditeur en général c'est que tu es en dédicace. Donc je dirais que la première des raisons c'est que tu vas rencontrer des gens qui viennent pour te voir. Donc la moindre des politesses c'est voilà, c'est évidemment d'aller à leur rencontre, de discuter avec eux. Donc je dirais que pour un auteur c'est une occasion de rencontrer son public. C'est quand même euh... Mais c'est vrai pour n'importe quel, pour le coup, autre festival où tu en dédicace, mmh. ou une librairie, etc. Mais ça, ça fait toujours, quand même toujours la raison principale. Euh, ensuite, l'avantage Angoulême par rapport à la plupart, je dirais, des, des autres salons, c'est qu'il y a vraiment un côté pro au niveau des éditeurs qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étendu. Euh, bah, par exemple, tu prends même Japan Expo et les éditeurs de manga, mais il y en a pas. Quand tu veux parler, on va dire, aux maisons mères, euh, aux... <laughs> tu vois, au battleship, aux maisons euh, mères, oui. euh, là, à Angoulême, il y a vraiment ce côté-là. Il y a le marché des droits, euh, il y a des grands, grands dîners organisés avec les patrons des boîtes d'édition, etc. Voilà, d'un point de vue professionnel, euh, pour aller parler projet, c'est quand même euh, très, très pertinent d'y aller. Donc, tu vas autant pour le business que le, le soir, en fait, la journée, tu rencontres les gens, puis le soir, tu mm -hmm. fais du business. Et entre les deux, je pense que, objectivement, hein, je pense que la plupart des auteurs, ils vont juste pour voir leurs potes. <laughs> en fait, je vais vous dire la vérité c'est comme les gens qui vont sur des salons. Les gens, ils, ouais, ils vont acheter des trucs et tout, mais ils se réunissent d'abord pour être entre eux, entre eux et vivre la passion entre eux. Et quand tu passes du côté professionnel, hein, la vérité, c'est que c'est exactement la même chose. C'est aussi simple que ça, au final. Est-ce que pour toi, Pascal, qui euh, bosse chez microïd qui est un studio qui a adapté beaucoup de licences de bandes dessinées, le festival d'Angoulême, c'est un endroit où vous pouvez être présent Où l'un d'entre vous, il va pour euh, scouter et se dire, ah, peut-être qu'il y a des trucs à adapter ici Alors, ça peut arriver, c'est pas l'une des raisons principales, ça peut être aussi la, le, le fait d'avoir de, de, des nouvelles idées. Donc, en effet, mmh. comme ça rassemble, c'est un vrai hub, un vrai concentrateur de, 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 de talents donc, on peut trouver certaines inspirations ou bien euh, euh, des idées qui nous permettent tu vois, de, de penser à des jeux. Mais en général, ces idées-là, on les a en amont. On a pas mal déjà d'interactions avec la plupart des éditeurs. Euh, et pas seulement. Euh, moi, je viens... Euh, euh, C'est ma fibre. Ma fibre n'est pas totalement jeu vidéo. Elle est aussi euh, animé manga, puisque dans une autre mmh. vie, euh, voilà, j'ai fait, euh, fait faire du doublage, j'ai... Euh, j'ai participé à, à ADN, à Animé Digital Network, euh, à, son, à son début. Euh, J'ai euh, sorti des DVD en français, euh, bah les DVD de One Piece ou les DVD de Naruto, par exemple. Donc, euh, tout, tout ça fait que ce, ce, ce microcosme de la BD slash comics slash manga euh, fait que toutes les idées, euh, voilà, elles, 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 elles se baladent d'un monde à un autre sans forcément être limitées, sans barrières. Et c'est ce qui permet, euh, voilà, à nous, euh, quand on a besoin d'une idée ou d'aller chercher une inspiration, euh, de la trouver assez facilement. Donc, oui et, et non, euh, mais d'abord oui, pourquoi Parce que, bah, comme l'a dit Guillaume, bah, aller là-bas, rencontrer les auteurs, euh, leur parler, avoir euh, d'autres influences, c'est très, très important. Et puis, ça permet d'élargir euh, un, peu, un peu son esprit. Et euh, le petit non, c'est juste parce qu'on voilà, a déjà pas mal, pas mal d'interactions euh, voilà, entre nous. Oui, donc en fait, c'est vraiment le côté effervescence où il y a regroupement de tous les cerveaux et de toute la créativité au même endroit et de passionnés au même endroit. Et du coup, euh, ça ouais. permet euh, une émulsion qui est chouette. Quoi. Ouais, ah, est et puis entre les auteurs de... aussi. Moi. Pardon, excuse-moi. Ouais. Que... Non, mais je ah. pensais que tu avais terminé. Pardon. Pardon, mais entre les auteurs, moi. ouais, c'est vrai. Euh, entre, eux, entre eux, ils se donnent des tips, tu vois, ils se, ils se montrent des nouveaux sketchs, ils, ils vont chercher peut-être une... une inspi ou bien euh, aussi une. une... Ouais, ils peuvent créer ensemble un manga, créer ensemble une autre BD, euh, se dire Tiens, t'as un super scénario, est-ce que tu veux pas l'adapter Bon, voilà, mais comme tous les salons, finalement. Mais Angoulême, ça rassemble. C'est une vraie, vraie fête. Et toi, Guillaume, qu'est-ce qu que, que tu allais ajouter C'est bon, j'attends des Non, mais, mais c'est vrai que la, la particularité dont tu ne te rends pas compte, c'est qu'Angoulême, c'est un cas assez unique dans le monde. J'ai fait des festivals aux États-Unis en Chine, au Japon, même un peu partout et généralement évidemment tu as un grand festival manga donc tu as des gens ils viennent pour du manga ou le mm -hmm. doujin, le manga amateur comme le Comiket au Japon, euh, tu as des festivals de comics aux États-Unis, tu as les festivals de franco belges en France comme Saint-Malo par exemple. La particularité d'Angoulême, c'est c'est peut-être le seul festival du monde qui va réunir tous les courants. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui viennent de tous les styles et qui se mélangent. Et c'est ça la particularité de la France euh, dans la consommation, je de BD, euh, peu importe l'origine des, des bandes dessinées, euh, c'est de réunir toutes ces influences. Chez les consommateurs, chez les libraires, je veux dire, vous allez dans des, des bouquins de comics aux États-Unis, euh, vous avez pas 50 000 mangas et BD franco-belges. Vous allez au Japon, il bah, n'y a que des mangas. Euh, vous allez mm -hmm. en France, vous avez du comics, vous avez du roman graphique, vous avez de la BD. Du genre euh, franco-belge adulte, jeunesse, du manga, etc. Et, euh, et Angoulême reflète assez ça. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, c'est euh, pour les auteurs euh, et même le métier en général, c'est un truc assez exceptionnel en France, qui n'est absolument pas le cas ailleurs. C'est ce, ce côté, euh, on est au confluent de toutes les, les influences de type d'auteur, c'est vraiment un truc de français, de l'industrie, de la BD au sens large français, qu'on doit... En partie aux éditeurs, mais aussi aux libraires et bien évidemment aux consommateurs. Hein. Si, si les gens consommaient pas de tout, il euh, bah, y aurait. Oui, il y aurait pas, pas, pas tout, au <laughs> Voilà, c'est ça. Cette question de Mais, mais c'est de... intéressant de, de noter ça. Euh, moi, il y a l'auteur de, de Attack de on Titan, ça, comme tu bien. dis, qui disait qu'il avait un sentiment très différent quand il arrivait en France, parce qu'au Japon, c'était quelqu'un qui fabriquait des, un produit, des produits à vendre, et que quand il arrivait en France et à Angoulême, bah, c'était un artiste. Et que du coup, il avait eu du mal au début à se dire genre, ah Oui, en fait, je suis un artiste. Et qu'il était vu ouais. de façon très différente, que lui, il voyait son travail de façon très différente, que ce soit par le prisme japonais ou son prisme français. C'est vrai. Il a dit ça, c'était sur, quel... sur France Info, non Sur Brut. Ah oui, ouais, 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 sur Brut. L'interview de vie, Thomas Hercouet, si jamais vous voulez aller voir. Exact, l'interview sur Brut, ouais. Euh, très, très... Non, non c'est hyper intéressant, mais, mais c'est très vrai. Hein. Et d'ailleurs. Euh... Faut bien comprendre qu'un truc comme ça, où les auteurs de différentes boîtes d'édition vont au Japon, ça n'existe pas. T'as pas un festival au Japon où t'as genre Kodansha, Shueisha, Akita Shoten, ils sont tous dans le même bain. Tous sur le même salon, il y a tous les auteurs qui vêtent pendant cinq jours pour dédicacer. Ça, ça n'existe pas. C'est que pas, là-bas quoi. C'est, ça serait de la science-fiction. C'est hyper compliqué de demander là-bas des auteurs de s'arrêter pour faire des signatures. Et par contre, tu vas avoir des festivals de, oui, des trucs organisés par Kodansha. Mais voilà, c'est donc voilà, c'est assez particulier et il faut rendre hommage au festival d'Angoulême pour ses particularités. Maintenant, si l'année prochaine ils pouvaient mettre la bulle manga légèrement plus près de la bulle BD, c'est-à-dire pas l'autre bout de toute la ville, ça serait bien aussi. Enfin, Je dis pas ça pour moi, parce que les auteurs, on a de la chance de savoir, on a des navettes. Donc nous, ça va... On Mais se fait balader, tout, tout va tous bien. Les gens en galère de ouf. Et encore là, il neigeait pas. Mais en plus, quand tu as la neige et que tu dois remonter, redescendre, remonter, redescendre, c'est usant. Maintenant qu'on a parlé du Festival d'Angoulême, je me dis que c'est le moment parfait pour parler de tous les deux. Et d'expliquer un petit peu plus pourquoi vous êtes là et de retracer un petit peu votre parcours en tant que lecteur. Pascal, toi, tu me disais qu'avant le jeu vidéo, tu avais eu d'autres amours, les animés, les mangas. Depuis oui. quand est-ce que tu le lis Est-ce que tu as toujours été un gros lecteur Comment est-ce que tu tombes dans la bande dessinée, le manga, l'animation Alors, moi, je suis un peu un vieux de la vieille, mais euh, c'est des BD au début, euh, euh, avant 10 ans, avant l'âge de 10 ans, euh, très classique, tu vois, du, du, du Tintin ou de l'Astérix. Euh. Des trucs très faciles à avoir dans une bibliothèque. Donc, euh, oui, le franco-belge par... qu'on a tous à la maison par nos parents, de toute façon. Exactement, par nos parents, par nos amis, euh, etc. Et, euh, et euh, vers l'âge de 14-15 ans, euh, je, je me lis d'amitié avec un petit groupe euh, et une première boutique euh, à l'époque euh, qui euh, importait du manga entre Tonkam, enfin, encore un truc un peu franc, un peu parisien, mais désolé, c'était là où ça se concentrait au début, mais dans les éditions euh, Tonkam ou des petites boutiques comme Madoka, bah, on avait accès à, aux premiers mangas qui arrivaient. Et c'était euh, bien sûr en parallèle des émissions télé du Club Dorothée, euh, où tu avais euh, du Dragon Ball, euh, ce qu'on appelle la Jump K, c'est-à-dire tout ce qui vient de Shueisha, donc de, de, des éditions Jump. Et euh, c'était essentiellement, euh, voilà, au début, bah, bien sûr, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque. Et, euh, et, euh, et moi particulièrement, ça a été le premier manga qui m'a... Il m'a tapé dans l'œil, ça a été vraiment euh, City Hunter, donc Nicky Larson. Mm -hmm. Et euh, c'était euh, le en fait, euh, par l'anime et par le manga, euh, deux univers différents, deux oui. très différents, puisque l'anime est plus édulcoré, euh, même s'il était. Oui, il a, peu, a été très euh, aseptisé, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, le, le manga va être beaucoup plus costaud et arrivé en France. Ils si ont dit genre on va gommer plein de choses ouais. quand même pour le rendre plus euh, enfant friendly, quoi. Voilà, mais même de par mon expérience, tous les animés, même au Japon, sont bien plus édulcorés que la version manga, qui est bien plus brute, en effet, et qui pousse un peu dans, le, euh, dans la psychologie de certains personnages ou des attraits un, un, peu, un peu plus euh, voilà, humains. Euh, bien sûr, Akira, puisque Akira, ça a été un choc euh, au cinéma et, euh, et en bande dessinée. Euh, et puis euh, j'ai commencé à apprendre le japonais et, euh, et à partir de là, bah, voilà, tu t'ouvres. Tu t'ouvres un, un, un éventail euh, allant du manga de sport euh, au manga de cuisine, en passant par euh, un manga de judo euh, bien, bien, euh, un peu féminin, mais très bien écrit, comme Yawara. Euh, et puis, euh, bah, tu reviens à la BD parfois avec des titres français euh, euh, d'Alex de, de, Alice ou bien euh, euh, du Black Sad. Ou bien, euh, voilà, tu peux. C'est important parce que cet univers graphique, que ce soit dans le BD, et bien sûr, je passe pas les DC Comics avec les Batman et, mmh. et, et les Marvel, mais euh, cet univers graphique est vraiment, euh, euh, quand il, il, il passe du côté enfantin au côté adulte, bah tu t'y accroches beaucoup plus et tu trouves des traits humains et, et c'est ça qui m'a intéressé un peu au début. Voilà, de, de retrouver une humanité, un truc un peu plus réel. Euh, même si bien sûr l'héroïque fantasy c'était important, il y a eu pas mal de choses euh, très jolies, mais en effet, revenir sur des histoires un peu actuelles, un peu, un peu euh, euh, j'allais dire, euh, dans avec des héros temps, à ta portée en période. fait. Oui, tout à fait, tout à fait. pas quelqu'un qui doit sauver tout le tout monde tout avec tout. des super pouvoirs absolument incroyables et tout, mais voilà, des voilà, héros plus ben, humains. Dragon Ball, voilà, tu fais le tour assez vite, mmh. mais tu y reviens parce que c'est un petit, c'est quelque assez chose jouissif. qui est voilà, c'est euh, redevenu le, le, voilà, le, le Mickey des années 80. C'est-à-dire, tout le monde connaît son Goku. Est-ce que quelqu'un connaît encore Mickey Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, et puis, pour rappeler que, ben, un manga est vendu... Enfin, un, une bande dessinée sur deux, c'est un manga. Donc, euh, euh, voilà, il ne faut pas se leurrer. C'est l'animation la plus rapide et la plus facilement assimilable. Maintenant, en termes de BD, voilà, moi, je suis plutôt... C'est euh, voilà, euh, Largo Winch, euh, Black Sad euh, parce que c'est quand même euh, des, des univers assez polars euh, qui sont, qui sont euh, dans, un, dans un moment de lecture euh, assez sympa, tu vois, tu te poses. Oui, voilà, puis c'est extrêmement facile de, de s'identifier à un multimilliardaire incroyablement beau gosse, euh, et tout, genre, oui, je, je te comprends. Moi aussi, je vous je me dis, oh, c'est easy, c'est mon lundi matin, ça. Ouais, <laughs> il est, ouais, il est cool, il est cool. Mais, mais une BD, tu vois, le, la différence, tu vois, une BD, tu, tu te poses, tu es dans un cocon, tu l'ouvres, tu... Voilà, tu te donne un moment un manga ça peut être consommé aussi rapidement que ça dans le métro un peu partout euh, et puis tu peux relire une édition de luxe où là tu te poses exactement comme une bd donc il euh, ya un certain voilà un certain flow c'est ton humeur tu peux lire une bd à un moment donné mm -hmm. un, un manga un autre et ça ça passe euh, euh, sans forcément te poser de questions en tout cas c'est ma fille façon de, de consommer figure. les deux ouais. voilà et toi, Guillaume, comment est-ce que tu tombes dedans Est-ce que tu as toujours été un gros lecteur Est-ce que c'est quelque chose qui est venu tard Est-ce que les jeux vidéo t'emmènent à consommer de la bande dessinée et du manga L'inverse Comment euh, ça s'est passé y a un an, euh, je Non, je déconne. <laughs> pas, pas mal, mal. <laughs> euh, Non, non, je pense que. Ah, je suis vieux, donc c'est aussi la... <laughs> les années 80. Mais en fait, j'ai oui. la chance d'avoir un frère qui, est... qui a quelques années de plus que moi et qui m'a ouvert la voie, puisqu'il est, Il est lui-même scénariste de BD connu et reconnu et prolifique. Et en fait, quand on était petit, je lui piquais tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y avait des très belles choses. C'était d'abord un fan, un vrai fan de comics. Donc, tout ce qui était Strange, Nova, Titan, je lisais à ouais. fond. Euh, les grandes aventures des quatre Fantastiques aussi, dans les albums un peu plus gros, tout ça. Donc, j'étais à fond dedans. Mais là, c'est les années 80, donc, y a, de toute il n'y a pas de manga. Et, oui. enfin, à part Gen d'Hiroshima, c'est toujours l'exemple pour dire, oui, c'est le premier manga en France. Oui, d'accord, mais... D qui lisait Gain des Rochiens en 1984, Mais Personne ne l'avait hein. sur ce bibliothèque. Euh, ensuite, voilà, ensuite euh, ouais, il avait aussi quelques BD. J'étais de ouf fan euh, de tout ce qui était humanoïde associé, tout euh, ce qui mm -hmm. était volibus, Bilal, euh, voilà, tout ça. Pff, voilà. Et Glénat un peu, genre, les zones mortes-lunes, les sept vies de l'épervier. Qui, qui a lu ça Qui se souvient de ça Je sais pas, j'étais ouf fan de ces BD. Alors, les sept vies euh, de l'épervier, voilà. je l'ai eu ouais. en maxitum ouais. épais comme ça, ça. En cadeau, quand j'ai été opéré de l'appendicite, on m'a dit, tu vas rester trois jours au lit. Tiens! Et eh ben, je fait bouffé d'une traite. C'était trop bien. Aujourd'hui, j'aurais du mal à le lire. Mais je t'avouerais qu'à l'époque, j'étais super fan. Mmh. Et euh, voilà, donc, il y avait ça. Et euh, donc, je dirais, grâce à Xavier, j'ai découvert euh, beaucoup de trucs comics, BD. Donc, j'ai vraiment commencé par ça. Mais en parallèle. Euh, lui, il était ultra fan de Goldorak. Hein, C'est la génération d'avant, forcément, <laughs> puisqu'il a fait la BD Goldorak récemment. Mais moi, ouais, j'étais plutôt Team Sanseiya Dragon Ball. Tu vois, ouais, voilà. Moi, ouais, ouais. j'étais plutôt. Bah, ouais, j'étais J'étais la génération d'après. Donc moi, j'étais euh, yu l'école est fini la 5 euh, et je consommais à fond tout ce qui était anime. Comme, je pense, Pascal, ah bah Akira, ça a été le, le second impact. Hein, forcément, oui. le film d'Akira en 91, au ciné... Euh, Est-ce euh, qu'on peut prendre suis... deux Ouah. secondes pour parler d'Akira Genre, pourquoi Ouah. ça a été une aussi grosse claque Parce que c'est vraiment un nom qui revient souvent. Et je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont découvert comme moi. C'est-à-dire, après coup, quand la culture manga était déjà ah. là. En fait, Donc, il je... n'y a pas eu ce truc de... Il wow, faut, faut comprendre l'impact si tu as deux trucs. Le premier... Euh... Il faut comprendre la situation de l'époque. Nous sommes en 1990, ça. Et voilà, remet, repose et en nous 1990 à part Bargen d'Hiroshima. Euh, il n'y a pas de manga en librairie. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les gens qui regardent les dessins animés chez Dorothée ou La 5 de Berlusconi, ils n'ont ils pas conscience. Ils n'ont pas souvent conscience que c'est japonais. Et ensuite, quand oui. ils ont conscience que c'est japonais, ils n'ont pas conscience que la plupart de ces animés sont adaptés d'une œuvre en manga. Bon, c'est okay. juste l'animé, c'est pas y a un manga derrière. Tu regardes Okuto no Noken chez Dorothée, tu crois que c'est une comédie, mais tu te dis pas que derrière il y a un manga <laughs> ultra violent qui a été traduit à la zob. Tu vois, c'est tu te dis pas ça. Euh, donc déjà faut, faut comprendre cette situation. Ensuite, en fait, Glenna, est-ce que peu de gens savent, avant de sortir des versions couleurs, ils sortent en, en, en kiosque des fasticules d'Akira. C'est un bid. Euh, et après, Glenna, euh, pour le coup, Monsieur Jacques Glenna a la présence d'esprit euh, très, très intelligent, euh, très précurseur là-dessus. En fait, euh, Marvel aux États-Unis sort Akira et le fait coloriser sous la supervision d'Otomo, ça prend du temps et tout. Et, euh, et Glenna se dit mais euh, puisque les Français a priori à l'époque ne sont pas prêts à lire du noir et blanc comme ça et dans un sens inversé, mm -hmm. quand il n'y a pas d'autre aujourd'hui, ça te paraît logique. Mais à l'époque, ça n'existe pas, donc tu te dis pas je sors comme ça comme ça sur le marché. Hein il eh, faudra attendre Video Girlie Dominique ton Cam hein, pour arriver en source mmh. de lecture japonais. Donc bref, il le sort Akira sous forme de BD cartonné et la version colorisée américaine de Marvel. Mais juste ça, faut savoir que faut relire Akira aujourd'hui et te dire tu mets donc Akira à côté des 7 vies de l'épervier. Même Akira à côté de Torgal et Akira à côté de 13. Euh, attends, c'est très bien, 13 et Torgal, je ne dis pas le contraire. Mais mm -hmm. En termes de type d'histoire, euh, du public auquel ça s'adresse. En termes de... Voilà, le dynamisme des pages, tu vois, euh, les plans qui sont utilisés, euh, les speedlines, etc. Pour les auteurs de BD à l'époque, les fans de BD et les ceux qui sont en voie de devenir auteurs, c'est une claque. En fait, c'est une claque. Tu des auteurs comme Mathieu Loffray, euh, Alice, euh, Timothée Montaigne, enfin, tous les auteurs de cette génération aujourd'hui qui font des, des hits en BD de genre, ils vont me dire, euh, Vincent Malier, hein, qui avait repris la quête de l'oiseau du temps, ils vont me dire, mais c'est la claque. Parce qu'à l'époque, on voit ça, on, on se dit. On dit, c'est Berserk versus les Schtroumpfs. Non, <laughs> ils il voient ça et, et on se dit, mais en fait, on n'a rien compris. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne sais pas. C'est comme. Euh... C'est pas. Euh... C'est deux, deux films. Guillaume, c est, c est, on peut faire l'analogie du cinéma. Tu, sais, tu vois deux films. Tu vois un film, un, un film voilà. artistique. Tu vois, la BD, voilà. c'est beau, c'est lancé et tout. Et tu as un film d'action à côté. Et pourtant, ouais. c'est aussi beau. Mais ça n'a voilà, euh... pas. Enfin, c'est hein, comme de si tu re regardes un film de Marcel Pagnol et après, tu prends Max, Max, Mad Max Fury Road dans la gueule. Voilà. C'est un peu ça. ça. C'est voilà. ça. Donc, ça veut pas dire que le Sud d'avant est pas bien. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que. C'est juste, c'est nouveau et ça poids C'est voilà, c'est une claque. Donc, déjà, c'est une claque graphique parce que tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça sur papier. Jamais. Genre, jamais. Et ensuite, l'année d'après, faut savoir qu'en termes d'animation, les gens, ils sortent de quoi Mais ils n'ont pas de DVD de VHS avec des trucs japonais. Non. Donc, imagine. Un an après, tu vas au cinéma. tu es habitué à quoi on anime Tu es habitué à ce que tu vois au Club Dorothée, qui est déjà édulcoré, traduit, mais au moins tu es habitué Disney. aux animés Jap. Mais tu es Disney, quand même habitué, voilà, es habitué à Disney. Et là, tu vas au cinéma et tu manges Akira, l'OST, mm. la qualité de l'anime, même si on. Voilà. Et l'histoire, etc. Mais tu deviens fou dans ta tête. Tu te dis, les mecs, qui sont. En plus, parce que ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne regardent même pas Dorothée et compagnie, bah déjà, ils pètent un plomb. Mais même si, justement, même si tu regardes. Euh, tout ce qui est club d'eau etc tu même jeune tu te rends compte de la différence euh, de rythme de qualité d'anime tu dis c'est c'est fou et après je pense que c'est ça qui ouvre une voie où il y a des, des passionnés alors comme Pascal et moi je pensais que je veux parler d'Akira on va dire moi je un fan ultime de Dragon Ball hein, et des cheveux du de zodiaque mais c'est là où ça ouvre une voie où je me dis mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe au Japon je peux pas euh, attendre que ça sorte au ciné. Et en plus, là, on découvre en japonais euh, Porco Rosso avant qu'il arrive au cinéma. Alors là, second claque dans un autre genre, mais euh, méga claque. Euh, S'ensuit, euh, tu vois, la poutale, Château dans le ciel, euh, grosse méga baffe. Pour ça que je dis, j'aime pas que les trucs violents, tu vois. Et... Euh, mmh. Et après, bon, bah, t'as les mangas qui arrivent, comme tu dis, chez ton cam, etc. Mais après, en fait, tu t'en fous à cette époque-là. À cette époque-là, tu chopes les VHS, notamment des OAV, de, ouais. de Kawajiri, de Ninja Scroll, la cité interdite et tout. Tu les regardes en japonais, c'est pas sous-titré, mais c'est pas grave. Et j'achetais des clair. mangas en japonais, je comprenais rien. Je... Mais c'était pas le problème, en fait. C'est exactement la même chose, parce qu'on est de la même époque et exactement dans le même environnement. Et tu t'en fiches que ça parle... ça parle japonais, en fait. Tu t'en fiches le rythme t'emmène la, la façon de faire t'emmène euh... en fait t'as même pas besoin de comprendre l'histoire elle est elle est dans la bulle t'as pas besoin de comprendre de tout le reste que euh, c'est euh... <laughs> ouais c'est un, un style différent complètement En, en convention à l'époque les conventions en fait c'est pas genre ce que t'as aujourd'hui tu vois les dessins animés ils sont projetés dans des cantines où tu mets des dans des cantines d'école où il y a des grands écrans qui sont mis à l'arrière de la cantine et euh... Et là, c'est diffusé genre VHS, JAP, vidéoprojecteur. Alors déjà, quand tu as un lecteur de VHS qui prend le MTSC, ce qui va t'éviter d'avoir le noir et blanc, t'es chanceux. Et ensuite, tu as des gars au micro qui, en direct, euh, doublent l'animé. C'est un mec qui fait toutes les voix, tu vois. Il double ah ouais, en direct ouais, en français. Bah oui, mais imagine, c'est la C'est à Mais Oui, à l'Hydra, qui diffuse l'animé de, de Ken Le Survivant, c'est le film de 86. Oh, imagine tu, tu sors de Dorothée, tu as vu que les dessins animés tronqués avec les voix blagues. Enfin, j'adore la VF, mais c'est une autre discussion. Mais et là, tu prends dans ta baffe la version japonaise du film qui résume un peu la première saison de Kutonoken, et tu prends ce film en version japonaise non censurée avec les voix japonaises, mais tu deviens fou. Alors après il y a des trucs rigolos à l'époque par exemple sur un sur un salon au super game show, il y avait une boutique qui diffusait le LD de Broly. C'est le Broly le film de 93. Mm -hmm. Et sauf qu'à cette époque-là, dans le club de Dorothée, on n'en est pas à Vegeta. Oui, tu sais Super pas qui c'est Broly. Oui. Trunks, Super Guerrier, tu n'as as même pas vu Trunks, on en est au début de Namek, tu vois. Et, et là, je vois l'animé, ou peut-être après Namek, mais bon, en tout cas, il n'y a pas Vegeta Super Guerrier, ça j'en étais sûr. Et, et là, je vois l'animé de Broly, je vois le gars Broly, je vois Végéta, Super Guerrier, je vois Goethe Super Guerrier, donc là, je suis full spoil, mais dans ma tête, c'est la suite de la série. Tu sais, je sais, on ne sait même pas que c'est ouais. un film, que c'est un hors-série, tu dis c'est la suite de la série. Et euh, du coup, après, je baratine tout le monde à l'école. Ouais, il va se passer ça dans la série, nanana. nanana. Évidemment, ça arrive jamais. Je ne comprends pas dans ma tête. Mais, mais qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai pu voir qui n'existe pas en vrai Puisque, tu sais, ça continue la série. J'étais super arrivé, mais jamais il y a Brody. Tu, euh, tu vois, il y a des trucs comme ça à l'époque, tu ne peux pas savoir. Il y a même des trucs, et je finis sur cette anecdote avant de... qu'on passe les bichons là-dessus. Euh, un festival que j'organisais avec mon pote d'époque qui s'appelle, euh, que je salue à Thomas Sirdet. En fait, on était au, au, collège... non, au lycée ensemble. C'est le, le fondateur de Japan Expo. Et à l'époque, bon, on, on organisait des trucs et tout. Et avec Thomas, on organisait euh, un espace manga sur le festival BD des grandes écoles. En 1996 ou on avait fait. Alors, je ne sais plus quelle édition que c'était, mais euh, cette année-là, euh, on avait une grosse nouveauté. Celle de 96, les gens ne connaissaient pas encore, ça s'appelait Escafloné, tu vois ce que c'est, ouais, ouais. de cette époque, ouais. Et on l'avait eu grâce euh, au pot vidéo Vidéo, etc. C'était une version japonaise, donc pareil, doublé avec des gars, on avait que deux épisodes, c'était l'attraction du festival, on diffuse les deux épisodes. Honnêtement, c'était mortel, mais personne ne comprend rien. Ça n'a ni queue ni tête. On se dit, mais c'est un gigantesque flash-forward. C'est bizarre de commencer une série comme ça, tu vois. Mais ben, on était tellement à l'arrache qu'on n'avait pas percuté qu'on avait diffusé les deux derniers épisodes de la série. Et voilà. Donc euh, voilà, on avait juste spoilé la terre entière avec les deux derniers épisodes, mais on savait pas tu c'est non mais les deux épisodes, il se passe ce qui se passe, tu vois Et on fait ouais, c'est bien, ça se tape, mais ça a l'air chouette, bizarre ouais. l'histoire. Tu sais genre les persos, ils ont l'air déjà, euh, tu vois, assemblés. Ils ont l'air de se Et connaître. Il euh... y a des mécaniques qui sont mises en place, genre ouais. T'imagines, tu fais ça sur un salon aujourd'hui, comment tu te fais C'est pas possible. Mais imagine, tu diffuses Bleach, euh, tu sais le, le dernier truc, la dernière saison, tu diffuses les, tu diffuses les deux derniers épisodes de l'attaque des titans comme ça direct d'emblée, mais tu te fais brûler. Mais à l'époque, personne s'en rend compte, tu sais pas, c'est en japonais, donc c'est juste nouveau. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était euh, une époque, Vansama, euh, exactement, hein, comme dit euh, <laughs> ce que vous dites sur le, le chat. Voilà, c'était euh, une autre époque. Enfin, je vois, il n'y a, a pas grand chose à dire. Ouais, Est-ce que la lecture a dire, vous a. Mais... Vas-y, vas-y, Pascal. Vas -y, vas -y. Vas -y. Non, 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 mais c'était pour dire aussi qu'on n'oubliait pas forcément la bande dessinée et que comme c'était plus rapide d'accès et que aussi. Euh... Euh, Il y a peut-être un côté nouveauté fait, euh... aussi. Alors c'est la news, mais aussi l'animé. Tu vois qui est toujours le promoteur de, tu vois, de la promotion du, de, du manga. Quand tu crées un dessin animé, en fait, quand les, les ouais, communautés hein. se forment pour faire un, un DA, c'est pour vendre du papier. C'est pour vendre ouais. du, dessin, du, de, du manga. Donc euh, et, et, et ça marche en fait, tout simplement. Ah bah oui. Et c'est pour ça que c'est dommage, tu vois, de ne pas avoir eu tout de suite, tu vois. Un... Euh, je ne dis pas un, tu vois, un, un, un dessin animé Landfeust où il y a des trucs. Enkama ouais, fait ça cool. très bien maintenant quand sûr. ils ont des, des, des séries comme Dofus, ou, euh, en, en tout cas pour, pour des, des, du plus jeune âge. Mais ouais, on aurait eu. Je ne pense pas que ça aurait marché forcément dans le même style, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'oubliait pas. Et on avait aussi dans ce milieu pas mal de, de jeunes dessinateurs de, de BD qui, 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 ont fait, qui ont fait leur preuve, mais qui ont démarré en, en regardant les mangas comme nous, dans le même style en allant chercher ces inspirations-là, hein. faut pas oublier que voilà c'est un bon gros vivier quoi. Il y a eu pas mal de choses à l'intérieur. Est-ce que la lecture c'est coup... quelque chose qui vous a mmh. du coup toujours suivi, ou est-ce que vous avez eu des grosses baisses Parce que Je sais que par exemple moi j'ai eu un gros trou de peut-être 4-5 ans où j'ai plus acheté de comics, plus acheté de mangas, et je suis retombé ah, dedans. Ah à... ouais, genre j'ai eu énormément de comics, énormément de mangas jusqu'au moment où je suis rentré en études supérieures et en études supérieures là, bah, le temps, le taf, la thune et euh, du coup, bah, c'est un moment où j'ai beaucoup moins lu et où je m'y suis remis dès que j'ai de nouveau un chez moi, que j'ai pu remettre mes livres, mes bouquins dans des bibliothèques. Et là, c'est reparti et c'est la pile à lire qui n'en finit pas. Parce que vous, ça vous a toujours suivi. C'est à des gens aussi qui sont dégoûtés de la lecture à une période et qui s'y remettent plus tard aussi. Mmh. Guillaume, je non, non moi j'ai arrêté le je t'avoue que j'ai arrêté les comics après quand le manga arrivé à cette époque-là j'ai totalement arrêté les, les comics je me suis remis bien plus tard avec Walking Dead et compagnie tu vois mais dans un style de comics très mmh. différent mais je t'avoue que j'ai oui, été euh, j'en ai beaucoup lu mais j'ai été très rincé de de tout ce qui était Marvel hein, notamment euh, après ça a changé entre tu as utilisé les stranges des années 80 et 70 c'est ce que c'est devenu bon c'est pas tout à fait mais ça m'a perdu tu vois la guerre War je crois que je me suis arrêté au pire d'infinity infinity tu vois ouais, ouais et ça m'a oh là là et les reboots et il meurt, il est pas mort trop too much mmh. euh, donc ça ça m'a perdu mais la BD j'ai continué à mort bah, avec Xavier qui faisait de la BD dans L'entourage, il y avait Alex, Alice, tous les gars de la BD. Je, je continue à dire de la BD, mais après, pas forcément les, le même type de BD. Mais mm -hmm. la BD, j'ai vraiment continué, puisque j'ai d'ailleurs plus fait de BD que de manga au final. Donc euh, la BD, c'est resté. Et, euh, et le manga, non, le manga, c'est jamais parti. Le manga, c'est les, les, les piles, il y a ça, Pascal les, les bibliothèques. Ouais. C'est pas extensible, mais c'est dur. Exactement. Non, non, j'en ai donné ouais. des cartons parce qu'il bah, y a un moment, tu peux mais, mais, mais ça reste et je lis aujourd'hui euh, seul, la seule différence c'est qu'aujourd'hui depuis quelques années je lis énormément de livres alors qu'à l'époque je lisais que des mangas et des BD et aujourd'hui euh, le paradoxe c'est que je lis plus de bouquins que de mangas et de BD mais je lis toujours beaucoup globalement je lis beaucoup je lis plus que je joue hein, ça c'est sûr alors que moi je lisais ouais, plus de, pendant la période où j'ai arrêté je lisais plus de livres parce que c'était plus facile je prenais un bouquin il me faisait la semaine c'est plus petit je pouvais le trimballer partout là où j'avais besoin d'acheter euh, 15 Bandes dessinées ou 15 mangas pour tenir ma semaine, tu vois. C'est toi, Pascal, pas du pas coup, ça t'a jamais quitté. Ouais. Ouais, c'était plus facile ouais. pour moi à l'époque, quoi. Le, le rythme de lecture était différent, ouais, en effet. Euh, moi, je, je suis exactement comme Guillaume, c'est-à-dire que j'avais des Strange aussi, des Strange quand j'étais petit, des trucs comme ça, et euh, je me suis arrêté, moi, je crois, à, aux Guerres Secrètes, je pense. Après, euh, après Guerres Secrètes, euh, je pense que bah, j'y avais peut-être plus accès, ou il y avait un autre. Un autre euh, peut-être une autre passion qui, qui est tombée euh, dedans, mais euh, avec l'apprentissage du japonais, du coup, euh, bah, ouais, les mangas, euh, oui. j'ai pas lâché, j'ai continué. Ah bah ouais. euh, et puis j'ai découvert d'autres trucs, tu vois, que tu sois dans le, dans le seinen, euh, et des, voilà, des, des, des gros, euh, des gros euh, euh, comme Monster ou euh, comme d'autres titres euh, bien, bien en amont, ou même redécouvrir du Tezuka, parce que Tezuka, on connaissait Astro Boy en dessin animé vite fait. Euh, comme ça en diffusion, mais il a fait tellement de choses. Que, voilà, je y a, y a, ouais, Kato. Ou, il y a des très très belles éditions euh, en ce donc, moment. En Tezuka, là, je, pas... je lis L'homme qui aimait les fesses, c'est 20 nouvelles sur la <laughs> frustration sexuelle au Japon. C'est un pavé énorme comme ça de Tezuka et je ça m'a mis, mais pas. sur le cul, je suis tombé dessus. J'ai vu le titre, puis j'ai vu Osamu Tezuka, je fais, mais non, je et c'est littéralement voilà, 20 nouvelles sur pourquoi les japonais sont frustrés. Au pieu, avec plein de nouvelles fantastiques, genre euh, il récupère euh, des easy de compagnie et euh, des chatounes de compagnie qui se baladent dans la vie, qui se reproduisent, mais qui ramassent les, les ordures et tout. Et c'est pépite. Tezuka, il a fait plein de trucs que je connaissais pas et qui sont trop cool, lui. Donc, ouais, voilà, euh, c'est ça. Mais après le manga, ouais, bon, comme ça m'a pas inquiété, mais en même temps, tu as des séries fleuves, tu vois, tu as, as des séries de, de 40-50 euh, ouais. mangas. Euh... Et puis tu peux t'arrêter, reprendre assez rapidement. T'as pas besoin, tu vois, de, de te retaper, de te refader toute la série auparavant avant de retomber dedans. C'est assez facile. C'est plus facile. En fait, c'est un produit. Et on revient sur sur ce que disait l'auteur de l'attaque des titans. C'est un produit. Donc quand il est bien fait, il marche à tous les coups. À la différence d'une BD qui de moins en moins maintenant et heureusement qu'elle qu s'adapte à euh, au, au, au lectorat et, et, et plus forcément l'auteur qui l'a créé, mais l'auteur de BD est quand même un artiste et il donne, tu vois, il met une âme, il met quelque chose. Alors que le manga, as le dessinateur, euh, puis as un studio qui peut être derrière et puis t'as un, un éditeur derrière qui va, le, 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 qui va, qui va lui indiquer peut-être une marche à suivre ou un, un chemin à prendre pour mieux, pour mieux performer en vente. Bon, ça reste un produit, mais heureusement que t'as certaines œuvres qui, qui sortent du lot. Heureusement. Il y a Ben qui demande si vous arrivez à lire plein d'histoires différentes en même temps. Ça dépend des mois. <laughs> si as plein de sorties à un moment donné, euh, je t'avoue que pff, y a des trucs ouais tu es obligé de faire le choix, mais euh, non, non, mais ça reste. Euh, alors, moi je trouve qu'il y en a beaucoup trop en comics, mais euh, je reste quand même sur un quand t'as un Batman qui sort, voilà, j'essaie de, de, de m'y tenir. Mais mais sinon, euh, euh, en manga, il y a y a des choses en fait, en plus, tu as des choses qui ressortent. Donc, tu vois, je me suis remis à Naruto avec la nouvelle édition, ouais, et les Slam Dunk euh... hein. Ah, Slam Dunk, ouais, mais j'ai gardé quand même mon ancienne édition, et puis j'ai l'édition Jap quand même. C'est voilà. Et puis, on a fait aussi alors Canaum Video euh, qui, euh, qui fait partie du même groupe hein, que Dargo, Dupuis, Lombard, etc. Cana mm -hmm. et donc Can Video euh, a sorti euh, dernièrement le, le coffret. Alors, est-ce que je l'ai ici? Alors, on revient sur de l'animé, mais. Donc, quand tu fais un coffret comme ça, euh, oui, ça donne envie, euh, oui. Voilà, Ah, hein, euh, sur Slam Dunk, tu dis tu vas te le refaire et tu te refais les épisodes. Donc oui, je me suis refait les mangas aussi, hein, Guillaume. Et c'est, euh, un pur moment, euh, c'est jouissif. Mais oui, Slam Dunk. Mais après, Shikalunogo, euh, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, c'est très très bon. De, de, ça, ça, Snod, ça voilà. Ils ont fait une réédition de ça. Ouais, une très ah, belle édition. Juste lui. la première, euh, jeu, première édition de ton cam. Hein. Ouais, c'est le manga premiers, où tu là, dis dit, tu peux faire n'importe quoi. Vous entendez ce son C'est le hein. son du portefeuille de Guillaume qui s'allège ouais. parce qu'il vient de découvrir <laughs> qu'il y a une réédition. Ouais. <laughs> non, mais c'est un super manga, Ikarunogo. Euh... Ouais. Euh... C'est les gars de Death Note Magnifique. en plus, hein. c'est craqué. Oui, oui. ouais. Et euh, si tu te dis, t'aimes pas le go, euh, je connais rien au go, je comprends rien au go, d'ailleurs je comprends toujours rien après le manga, mais, euh, mais le manga il est fou. Donc euh, tu lis ça qui est génial d'ailleurs dans certains mangas. Euh, je déteste le football américain, High Shield 21, c'est génial. High Shield, tu ouais. J'aime toujours pas le football américain, mais euh, le manga il est, il est mortel. Voilà. Mais est vrai, ça donne envie. Et ça sûr. fait beaucoup de choses à lire, ouais c'est sûr. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de choses à lire. Comme tu as des séries fleuves, voilà. un manga, tu peux toujours trouver quelque chose à lire. Euh, une BD, ça dépend. Moi, je suis euh, voilà, le chat du rabbin, euh, un Black sad quand ça sort. Black et Mortimer, avant, je lisais maintenant un peu moins. Bon, C'est moins dans l'air du temps, ou moins de classique. Mais euh, mais euh, même un Astérix, de temps en temps, voilà, tu peux, mm -hmm. tu peux en profiter un petit peu. On fait une petite avance rapide. On a vu le profil de lecteur que vous aviez et comment vous êtes tombés tous les deux dans ce monde. Guillaume Petite avance rapide, tu bascules de l'autre côté, de personne qui lit à personne qui produit les bandes dessinées, tu deviens auteur. Comment est-ce que tu bascules dans le monde de l'édition De l'autre côté, de celui qui tient le, la bande dessinée à celui qui la fabrique Avec des pots de vin. Non, c'était con. Eh, hey, oh. bien joué. N'hésite pas à faire vin. glisser les Merci. adresses mail dans le chat pour les gens qui voudraient <laughs> se lancer à savoir qui il faut donner du pognon. Euh... Bonsoir, Nono, Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je suppose déjà à la fin des années 90 avec, euh, avec Calonne même avec qui je fais encore des mangas aujourd'hui. Hein, comme il y a, quelques, il y a une dessinatrice avec qui je fais des mangas, on se connaît depuis euh, pour, depuis presque 30 ans quand même. C'est pas mal hein, tu pour une relation scénariste dessinatrice ouais. Et euh, en fait, on faisait déjà des, des fanzines. Évidemment, c'est juste des fourzines, ce hein. C'était pas de manière professionnelle. Après, on avait été publié, on avait une histoire publiée. C'est notre première publication, c'est J'ai pu recevoir la phase des années 90 dans Yumi. Qui se souvient de Yumi? Yumi, c'était un magazine en kiosque par les mecs qui faisaient okaze tu vois, où tu avais des petites histoires de, de créa. Et tu as pas mal de dessinateurs qui ont commencé dans ce genre de magazine où euh, ils n'avaient pas les moyens de se payer, tu vois, des, des droits japonais. Donc, euh, tu avais des auteurs qui faisaient des trucs. Donc, on avait fait, euh, on avait fait une histoire là-dedans. Mais bon, ce pas comme ça que je suis devenu auteur, tu vois. Mais on parle des premières publications, mm -hmm. on en parle. Hein. Et, euh, et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis d'abord euh, devenu éditeur en 2006. Je rentre aux humanoïdes associés, voilà, à la maison des humanoïdes associés, pour que les gens connaissent, hein, voilà, et pour ouvrir une, une collection. Est-ce qu'il y a un côté euh, un peu rêve de gueule parce que tout à l'heure tu citais les humanoïdes ouais, comme ah, produits que sûr. tu consommais grave petit quoi Bien sûr, ah, complètement. Non mais bien sûr, bien sûr. Je rentre en plus, je vais pouvoir, euh, euh, voilà. Euh, M'occuper à un moment de, de Jodorowsky et tout, donc c'était <laughs> trop ça. va. Ouais. Euh, à la fin de l'émission, dans le temps, je vous raconterai Jeodorovski, déjà pas d'expo 2006, c'est anthologique. Ouais, et, euh, et bref, donc je rentre en éditeur aux Humano, mais spécifiquement en fait pour m'occuper euh, de manga de création. C'est-à-dire que <laughs> l'idée que je vends, et j'avais été voir plusieurs éditeurs à l'époque, finalement j'étais chez les Humano, euh, l'idée c'était de développer une collection qui finalement va s'appeler Shogun chez les Humano, euh, un peu tu sais comme Apple TV tu Apple TV il faut que des créas t'as pas as remarqué ils ont pas de back catalogue par rapport à Netflix Amazon etc oui. pour se démarquer Apple TV ne font que des créas alors je compare pas ce qu'on avait avec Shogun à Apple TV je dis juste que dans l'idée pour se démarquer à l'époque on savait euh, tu vois qu'on n'allait pas attirer euh, Dragon Ball ou One Piece comme ça en débarquant de nulle part dans le manga et de toute façon c'était pas l'objectif l'objectif c'était de se dire il y a plein d'auteurs qui veulent faire ça c'est bien pour ça et m'ont pris parce que j'arrivais avec aussi un pool d'auteurs et à partir de là, euh, donnons la chance aux auteurs qui rêvent euh, de créer dans ce format. Mais créons nos futures grandes players, licences. En fait. Voilà, et, et, et je croyais très fort que c'était important pour une maison d'édition de posséder l'IP. C'est-à-dire par exemple, éventuellement, après de pouvoir la revendre à des Japonais, après de la pouvoir en faire des dessins animés. Tout le monde me prenait pour un dingue à l'époque. Hein. Maintenant, euh, voilà, dans notre collection, c'est Shogun. On a tu vois, Shonen euh, qui fait Outlaw Players chez, euh, chez Kiun. Et qui d'ailleurs sort au Japon. Euh, on, a eu, euh, on a eu énormément d'auteurs qui sont passés chez nous, qui ont fait carrière derrière, alors pas chez nous, mais après. C'est <laughs> une tu bonne vois, rampe de lancement, c'est que tu as du disent, Ouais, jamais un Français, il fera un dessin animé après avoir fait un manga, mais non, regarde Tony, Radiante, euh, Dreamland, etc. Si, ça existe. C'était juste euh, presque 20 ans, un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Donc euh, le marché n'était pas très prêt. Les auteurs non plus d'ailleurs, personne, ni les libraires, euh, ni personne. Donc euh, à part quelques titres, euh, ce pas non plus un, un succès flamboyant. Mais on avait même fait des magazines de prépubances, ça s'appelait mag, tu avais quand même 340 pages par mois, on tenait dans le magazine Chanel, dans le magazine Channel. Ah, C'était une industrie et ça, ça boostait les auteurs à, à tenir un rythme. À créer, et ouais. bon, Quand tu fais autant de séries, bah, tu te retrouves avec des trucs bien, tu te retrouves avec des trucs moins bien. Et, et on retient souvent le moins bien. Mais c'était une belle expérience. Toujours est-il que, grâce à cette expérience, à un moment, j'ai décidé de, de, de franchir la barrière, vu que le succès n'était de toute façon pas conséquent en tant qu'éditeur, pour X raisons, peu importe. Euh, et du coup, voilà. De je, côté. je suis devenu auteur, Mais forcément, puisque par le métier en plus, tu rencontres plein d'auteurs, etc., plein de, de fantastiques dessinateurs. Et euh, bah, je suis passé de l'autre côté. Alors d'abord chez les Humano, euh, il y avait bon, Omega Complex avec Chonette, ça avait bien marché pour le coup. Et après on a été euh, beaucoup chez Glena, parce qu'il y a une époque où les éditeurs des Humano ont migré chez Glena. Donc on a on a un peu migré, euh, on a un peu migré chez Glena où là j'ai fait euh, beaucoup de trucs. Avant d'aller aussi on a fait aussi Pika et, et, et récemment donc Kana qui fait partie du même groupe que. Du, enfin, bref. Et beaucoup de trucs sur lesquels on reviendra parce qu'il y a de l'adaptation voilà, de voilà, grandes voilà licences comme de comment... jeux vidéo. Et des mangas qui parlent de jeux vidéo. C'est ça. Voilà. En tout cas, euh, comment tout ça a commencé. Mais il y avait vraiment, je pense, cette volonté à la base de euh, de faire du, de la création de manga. Il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas le droit de, de créer dans le format qu'on adore. Et après, avec le temps, euh, j'ai eu autant envie de faire de la BD. En fait, on se rend très vite compte que il n'y a pas il n'y a pas de meilleur format ou de lecture que l'autre. C'est mmh. en fonction de ce que tu as envie de raconter. Il y a des sujets qui vont être qui sont possibles quasiment qu'en manga. Enfin, honnêtement, et Karunogu en BD, euh, bof. Et on va se retrouver qu'il y a des sujets qui ont beaucoup plus leur place en bande dessinée et qui auraient vraiment beaucoup moins de sens dans le, pour que ce soit pour les lecteurs ou en termes de format ou de, de rapidité de lecture et d'écriture en manga. Donc, et quand tu as compris ça, bah, après, orientes tes projets soit en... en fonction vers la bande dessinée ou vers le manga. Et toi, Pascal, comment est-ce que tu tombes dans le milieu du jeu vidéo Parce que tu parlais tout à l'heure d'animation, tu dis que tu as bossé ouais. avec ADN, etc. Comment est-ce que tu bascules dans le jeu vidéo, et euh, notamment ouais. chez Microïd, qui a euh, ouais, un grand catalogue de jeux issus de la BD Tout à fait. Ça a été par opportunité. Euh, donc, moi, j'avais démarré euh, en faisant du DVD essentiellement, euh, enfin, dans la première partie euh, euh, de mon expérience dans le groupe, où euh, voilà, j'avais sorti les DVD de Naruto ou, ou les DVD de. De One Piece, et puis euh, à part Fairy Tail, euh, euh, on a été chercher d'autres séries où on a fait le doublage en français, etc. Donc là, euh, c'était vraiment euh, rentrer dans, dans, dans l'industrie en tant que telle avec euh, de la On ne parle plus de doublage séries. fait dans une cantine d'école avec ça, un seul ça, gars ouais. au micro. Hein. Ouais. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai assisté, euh, tout comme Guillaume, à des conventions où euh, euh, tu avais une fille qui était à sa première année à l'INALCO, euh, donc au Langzo et qui ont dit, ah, tu parles japonais, bah, viens ici, hop, tu vas nous traduire ça. Donc, euh, oui, voilà alors, le, texte. Lui, le père. Voilà, c'est bien. Merci. Lui, c'est la main. c'est Voilà. Ah, bon, est là, Ils sont d'accord. Ouais. Ah, là, ils, ils sont d'accord. Ils ont dit. Là, ils ont dit oui. Il a dit oui. <laughs> Il a dit, <laughs> <oui>. Donc, <laughs> je vais te tuer, Chine. <laughs> et puis voilà. Donc, passé ça, j'ai eu beaucoup de chance avec un très bon studio, d'avoir des bons partenaires en studio de doublage. Euh, de faire venir des voix euh, euh, pour doubler bah, Hunter Hunter aussi, tu vois, ou mm -hmm. participer au doublage de, de, de Death Note, de, de Black Butler, enfin bref. Oui, ça comme va. Comme voilà, ça, oui, non, moi, mais, moi, ça moi, va. Oui, non, mais ça va. Non, mais tu plus peux name drop mille des trucs comme ça en ayant l'air tout à fait décontracté, mais on est quand même sur de la ben, jolie mille... licence, quoi. Alors, euh, ça va. Exactement, plus de 1000 épisodes, au moins. Oui, genre, ça va. One Piece, voilà. c'est lui hein, qui euh, l'a écrit. On, on le sait pas. Non, <laughs> <'est> pas vrai, <laughs> on le sait pas. le sait pas, mais. c'est pas moi. Euh, j'ai fait euh, beaucoup plus de petites séries, mais c'est essentiellement, voilà, euh, même Psychopath qui était magnifique. Euh, donc, bref, j'ai euh, eu une opportunité voilà, de basculer dans le, dans le monde du jeu vidéo. Passer du monde du dessin animé au jeu vidéo, ça a été une transition très facile. Et il euh, et, euh, y a eu de, 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 très, y a, y a de très beaux projets. Et Micro et euh, voilà, euh, en fait, il, il va chercher des, des licences qui. Enfin, en tant qu'éditeur, on va chercher des licences qui plaisent au plus grand nombre. Mmh. On, est, on est moins niche. Donc il faut faire plaisir à tout le monde. Et, ah, bah l'idée d'aller chercher un... une licence où il n'y a que deux personnes qui kiffent la licence, ça fait pas trop sens. quoi. Déjà, je suis d'accord avec toi. Tu raison, j'ai donné mes doigts pour me faire battre. Mais euh, non, non, mais à un moment, tu, tu dois. Euh, tu vois, Astérix Obélix, pour prendre cet mmh. exemple-là, c'est très compliqué euh, de te dire qu'il faut que tu fasses plaisir à un hardcore gamer. Et faire plaisir à un enfant de 6 ans. Donc, tu dois, oui. euh, tu dois voilà, faire le bon arbitrage. On est euh, sur des titres qui sont plutôt enfants et plutôt famille, en fait. Donc, tout le monde doit y retrouver euh, doit trouver son compte. Et, euh, et là où j'ai participé un peu plus, sur Marsupilami, par exemple, où c'était un très, très beau titre, euh, avec euh, un très beau studio euh, euh, sur, sur ce jeu-là, euh, qui, qui nous a accompagnés. Euh, c'était au pour pas de nommer donc là je refais de la pub je dis merci, fait, fait, fait. Voilà. voilà. Ici, c'est un, euh, un jeu de versus. On peut se taper ou non? C'est un, un platformer. c'est un super platformer. C'est très très joli. C'est dommage, mais voilà. Deux Marsu qui se battent, c'est pas, pas trop le but. C'est pas l'ADN de euh, la BD, ouais. non? Non, en effet. Et Marsu, en fait, on l'a, on lui a donné une autre identité. Tu vois, euh, toujours aussi joli, euh, c'était très beau graphique, c'est toujours très beau graphiquement, très fluide, euh, très facile d'accès. Donc euh, oh. c'est un voilà, c'est un super. Voilà, et puis tu as des art qui sont magnifiques. Euh, le studio a super bien travaillé dessus. Et nous, notre rapport a été vraiment euh, euh, de lui donner une identité en plus euh, tu vois, de l'identité du, du graphisme et du gameplay. Euh, et puis euh, euh, voilà, de, 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 de lui construire une autre histoire. Alors là, bafé les tous, euh, contrairement aux, aux autres titres qu'on qu peut sortir euh, comme les XXL, euh, bafé les tous, lui, on l'a centré un peu plus gamer. On a fait ouais. un vrai beat euh, avec un peu de tape, un peu de, voilà, une essence même de qu'est-ce que tu veux faire dans un Astérix C'est qu -ce, quoi le but Mettre des claques aux romains. Maintenant, bah ah c'est bah de voilà. s'inspirer hein du jeu de Konami. Tu rappelles le bizémo de Conan, <laughs> bah, oui, de... bah oui, oui. Et bien sûr. Bah, Sur le sur le slap bémol, on, on, on s'en approche grandement. Bah euh, ça. Et puis il va y avoir, euh, ouais, avoir d'autres surprises. Et on travaille pas seulement les licences du groupe, hein, comme Astérix. Mais tu vois, nous on fait Marsupilami. On a on a sorti un jeu sur 13 <coughs> On a sorti un jeu sur Black Sade. Euh, les Sisters, là aussi c'est là c'est plus facile puisque la, la BD elle est vraiment euh, euh, elle a vraiment un public. Euh, oui, tu vises assez, le même public euh, que la bande dessinée. Ouais. Alors que le problème d'Aobedix c'est que ouais. tu vas autant avoir du petit enfant que le grand frère, que les parents, que tout les peut-être même grands-parents. Maintenant, euh, ça commence à dater C'est ça. ça Avant mais, de plonger euh, ouais. dans l'adaptation elle-même, comme on est en train d'en parler là, comment, quel jeu, le jeu vidéo, ça a quelle place pour vous parce qu'on a parlé de votre amour de la bande dessinée, du combat, du comics. Mais le jeu vidéo... vidéo... Non, toi, là, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Non, mais <laughs> Guillaume, quelle place devant toi Quelle place dans ta vie J'ai envie de dire bah, la moitié de ton appartement, apparemment. Ça fait déjà pas mal de place. Mais vous êtes des gamers depuis tout petit. C'est quelque chose qui vous oh. est venu plus tard. Est-ce que vous avez toujours joué aux jeux vidéo Est-ce que vous jouez encore aux jeux vidéo Vas-y, Guillaume. Pour gueule. moi, c'était... C'était lié, en fait. C'est-à-dire que si je repars sur l'époque tu sais, on parlait de l'animation et de l'arrivée du manga, mm -hmm. c'était ultra lié aux jeux vidéo. c'était japonais. C'est pour ça que je suis très jeux vidéo japonais. C'est que c'était, début des années 90, tout était lié. C'est-à-dire que t'étais fan d'anime, t'étais fan de jeux vidéo japonais. Enfin, je sais pas, c'est la même chose, en vrai. C'était juste une même manière différente d'aborder les, les mêmes univers. Et euh, la particularité, j'étais, en plus, très, très, Très fan dès le début, hein, la révolution Street 2 en arcade, c'est 91. Je suis... je suis très fan de tout ce qui est, en sens large, jeu d'arcade. Hein. Je parlais de Beats All, Shoot Shoot'em Up, Run and Gun, hein, Metal Slug, si on est au Géo, là. Euh, voilà, j'étais fan de très très jeux d'arcade et... et fan de jeux de combat. Ce qui fait que c'est devenu une grosse partie de ma vie, hein, les jeux de combat, puisque et j'organise toujours notamment un mm -hmm. tournoi qui s'appelle le Red Bull Comité, le comité. Euh, pour le compte de Red Bull. Ouais, c'est un, un des plus gros tournois de, de jeux de combat dans le monde. J'ai fait des émissions sur les jeux de combat, etc. Et après, mon autre passion, c'est devenu bah, quand j'ai vieilli le rétro gaming, puisqu'en fait, je suis toujours fan des mêmes trucs, donc euh, ça n'a pas décalé, tu vois. Euh, donc c'est devenu le rétro. Et aujourd'hui, on fait pas mal d'émissions de rétro pour Game One, il y a il y a d'autres contenus. Donc euh, aujourd'hui, le jeu vidéo. Il y a une époque, là, au début des années 2010, où j'étais, je dirais, 80-90% de mon temps auteur. Aujourd'hui, pour être très honnête, 80-90% de mon temps est dédié à la production de contenu, d'émissions, de vidéos dédiées aux jeux vidéo. Et en fait, j'ai gardé dans mon travail de, de scénariste uniquement les projets qui m'intéressent, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 150, euh, j'en fais très peu, mais j'espère mieux. Parce que, euh, mm -hmm. parce que j'ai pas besoin de ça pour vivre, entre guillemets. C'est un peu la, oui. tu vois, la, la cerise sur le gâteau. Donc, euh, tu peux prendre le temps de, de bien faire, de pas être euh, dans la course au projet pour être à la course à l'argent, pour survivre à la fin du mois, hein, tout simplement. Oui, il faut que j'ai euh... signé 150 <coughs> pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Ouais, ouais. Mais bizarrement, enfin, à moi, quand tu vends soit 500 000 albums, euh, voilà, il y a des, des, des moyens qui te permettent de, de mieux subsister. <laughs> Maintenant, voilà, donc le, le jeu vidéo, c'est une place euh, très, 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 très importante dans ma vie. Maintenant, hein, la question, euh, j'ai les seules fois où je joue aujourd'hui, c'est quand je tourne une émission et où quand je fais, un, voilà, et c'est-à-dire euh, pas beaucoup en vrai, genre pas beaucoup, ouais. genre, alors j'en parle beaucoup, je fais beaucoup de contenu là-dessus, mais j'ai absolument pu le... T'allumes je... plus la console pour te faire plaisir solo comme ça en ah, en en une pas... Partie. Non, c'est pas pour se faire plaisir, c'est... C'est... ça peut pas être ça, parce que... Bah, parce que c'est pas possible, c'est une question de temps, parce que plus euh, le temps famille, quoi... <laughs> le, le travail, non mais le travail, etc. J'aimerais bien, hein, je dis pas, même si non, parfois avec ma femme on se fait des jeux, tu vois. On avait fait les Last of Us, là on fait les God of War. Parfois on fait des jeux ensemble quand on a le temps, euh, 10 minutes, un dimanche tous les deux mois, tu vois. Je dire que vieillissant, voilà. maintenant quand on dit le jeu a une durée de vie de 15 heures, je fais. Ah, ah mais vais... moi, je déteste. Ah, cool. moi, quand on me dit, ah, euh, le nouveau Resident Evil Remake, tu peux le finir en 6 heures, je fais, ouais, génial. Ouais, c'est ça. Et, a... ah, mais ouais. Vraiment, hein, Alors qu'avant, c'était 120 heures. Wow, c'est un peu court quand même, hein, Genre, bien Je de vais le donner l'exemple hein. de, de Elden Ring. Elden Ring, j'aurais passé ma vie, hein, il y a quelques années. L'an dernier, je l'ai, je l'ai acheté, hein, quand même. Hein, tu vois, je l'ai lancé. On a regardé le jeu, on se fait, mais, enfin, on le finit dans 30 ans, en fait. Tu vois, on oui. a joué un peu, je fais c'est mort et en fait j'ai arrêté. C'est pas, c'est pas que je n'aimais pas le jeu, il est fantastique. Est... Mais c'est ça le problème, il est fantastique, mais tu peux pas, tu peux pas le survoler en fait. Sinon tu t'en profites pas. Déjà ça va être dur et ensuite tu t'en profites pas. Donc, euh... mais j'essaye un peu tout quand même c'est-à-dire que généralement j'achète le jeu je dis oh, bon moi j'aurais essayé tu vois je joue 10 minutes et oui, au moins j'ai mis la main dessus et j'y rejoue jamais sauf les jeux qu'on met dans les émissions mais du coup ça va être plus tout ce qui est, est jeux d'arcade tu vois le jeu de combat Street Fighter 6 c'est pour mon boulot Je vais évidemment y jouer alors pas un très haut niveau comme avant mais je vais un peu y pour jouer mon boulot. et l... mais oui mais la différence c'est qu'un jeu comme ça en plus tu peux tu vois tu peux faire une partie 5 minutes tu fais une partie oui 5 tu 5 lances minutes, une puis... game tu y vas et, zo, et tu voilà bas, mais tu te fais un petit coup de play c'est un pote qui passe à la maison et... Vrai, exactement. exactement. Et en plus, c'est un jeu où tu joues sur des acquis d'années de jeux de combat, où tu n'es pas obligé de, de tout reprendre à, à zéro. Ouais. Donc, euh, c'est plus simple. Mais non, la, la vie de... Aujourd'hui, c'est sûr que je lis plus, mais genre plus que je ne joue, ça c'est sûr. Mais le jeu vidéo prend plus de place dans ton emploi du temps professionnel. Oui, mais c'est mon boulot. Et donc, en fait, le, le rapport à, à la passion est hyper différent, en fait. C'est inversé. Et toi, Pascal, le jeu vidéo, ça prenait quelle place avant que, bien évidemment, maintenant, vu que c'est ton taf, le jeu vidéo, je me doute que ça prend une grosse place. Mais avant, ouais. euh, bah, on est frustré euh, quand on est jeune de voir passer des trucs qu'on n'a pas, hein, pour se faire des full sets ou... ou des choses comme ça, les Guillaume <laughs> voilà. euh, Moi, j'ai essayé de me rattraper euh, tel que j'ai pu parce que euh, j'ai pas, j'avais mis euh, deux trois trucs. C'est toujours un peu encore en rapport avec l'animé, mais moi. Euh, euh, tu vois, j'ai été ch chiné euh, dans ah, les premières PCL, cartes, j'ai été chiné, tu vois. Euh, oh là là, comme elles sont trop belles. sur nick sur, sur City euh, J'ai été chopé, tu vois, du Cobra. Euh, quand t'étais au Japon. Oh, bel monde. Voilà, tu vois, le moindre truc que t'as, euh, tu vas le chercher. Un ah, chef-d'oeuvre, celui-là, un euh... jeu de baston. Euh, chef-d'oeuvre. Ouais. ouais. Euh, donc, euh... ouais, alors, tu joues euh... je jouais pas Mal, mais pas autant qu'en effet que je lisais. Euh, mais euh, depuis les dix dernières années, je pense que la proportion s'est inversée. Euh, à la différence de Guillaume, euh, ma femme l'a bien fait sentir. Mais j'ai fini Elden Ring <laughs> euh, trois fois parce que je suis tombé des nues et, et j'ai divorcé trouve, deux fois. Ouf, c'est ouf, jamais mais, de et... la vie, mais je l'ai fait parce que je voulais, voilà, enfin parce que je suis un complétiste et. Et que j'ai été jusqu'à, tu vois, pour le platiner. Donc, je me dis que quand je, je le prends, je, je le suis impressionné. Je suis impressionné. Voilà. voilà Après, le nombre d'heures, je t'avoue que parfois, je m'endormais devant. Euh, parce qu'il faut y jouer la nuit. Euh, mais non, non. Euh, grosse, grosse partie. Euh. Et puis, euh, euh, alors, moins de rétro. Et ça m'embête parce que c'était quand même une bonne partie avec pas mal de choses. Je suis un peu moins jeu de baston euh, par rapport à Guillaume. Je suis un peu plus jeu d'aventure, mais... Mais c'est vrai que de toute façon, pour avoir des idées, pour se forger à du packaging, à des idées en plus, des plus produits que tu dois mettre dedans, en revenant un peu dans le marketing, c'est normal par rapport à tout ce qu'on doit faire. On doit aller chercher d'autres choses. On doit regarder tout ce que fait la concurrence et on tombe sur des vraies pépites. Mais sinon, la vraie part, je pense que. Si tu te sépares, je je parle pas de la vie professionnelle. Donc euh, on est dans le jeu vidéo. Moi, je, f je on fait des tests, des séances de play tests. Normal. Mais c'est pas euh, c'est pas le plus, tu vois, euh, pas le plus de notre journée euh, quand on est mm -hmm. euh, en tant que chef de marque ou chef de produit, c'est-à-dire doit réfléchir au packaging, à faire un key art, quest ce qu'on met dedans, euh, comment. Euh, oui, tu passes imprimer, pas toute quoi, ta journée manette en main, quoi. Exactement, c'est dommage, mais je ne suis pas au, au, au QA, comme on dit, euh, le département QA, eux, ils font que ça. Et tant mieux, puisqu'ils dé, ils, ils débuguent le jeu. Débug. Mais après, euh, je te dirais que sur mes loisirs, en effet, euh, si tu comptes sur un, un, un pourcentage, ça doit être euh, 60 à 70% de mes loisirs. Vraiment. Essentiellement. Donc encore une grosse part aujourd'hui. Euh, voilà. Ouais. Grosse, grosse part. Très grosse part. Et, et j'alterne. Alors tu vois, par exemple, tu te fais un Elden Ring. Forcément, je vais pas démarrer un, un God of War tout de suite, tu vois. Je vais. Oui, je vais tu pas Red Dead jeux, Redemption euh... juste à côté, quoi. Exactement. Bah, tu te fais là, une petite je pause euh... jeu rapide. Ouais, bah tu vois, Marsus ça, ça passe bien, mais j'ai euh, Poki et Rocky, tu vois, qui est ressorti euh, euh, dernièrement sur euh, PS4, qui était très bien. Euh, des petits jeux d'arcade, tu vois, des petits jeux euh, ah, merci. Euh, qui te permettent de, tu vois, de, 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 <laughs> de faire la part des choses. Voilà. On y revient, les trucs de vieux. Euh, les trucs de vieux. Euh, après, euh, après c'est vrai, j'ai oublié de dire, mais en fait, où je passe énormément de temps, par contre, c'est que je consomme euh, énormément de films et de séries. Et ça, c'est aussi lié à mon Ouh. boulot, mais c'est. Ah, ouais. par contre, en termes de loisirs, non, je pense que c'est le top 1, en fait, c'est ça, en vrai. C'est film-série Ah ouais. Bah ouais. C'est plus ouais. facile parce qu'on peut faire d'autres choses à côté. Et en plus de ça, on peut le faire à plusieurs c'est surtout ça ça me permet de partager avec ma femme mmh, et, et, ça. et voilà mmh. par exemple donc ça c'est voilà c'est très pratique mais c'est vrai qu'en fait oui non en fait euh, tu vois que jeu vidéo tu vas jouer tout seul alors moi justement les jeux qui peuvent se faire à deux mais il y a moins de y a moins de partage en il fait. y a moins d'interaction ah hein. paradoxalement après elle à street on jouerait street on va le plonger dans le MMORPG rpg Mmo rpg tu euh, ouais, ouais, ouais. une team tu, vois, t as, t as, tu as tes potes et tu te vois mais et ah puis, ouais, non, ça, est euh, on a de la chance maintenant de vivre dans une époque où, où tous les <coughs> médias, tous les médiums se, se confondent. Se connectent, oui, c'est ça. Euh, et puis, bah, là, là, dernièrement, euh, je suis désolé, mais euh, la série de Last of Us, euh, qui est juste euh, ultime, euh, ça se moche parfaitement. Et, bah... voilà, attends, attends, je rentre, voilà. je rentre voir l'épisode d'après ce soir, hein, hein, le troisième, là, avec Ron Swanson. Il vu paraît il 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 ah, avec Ron Swanson, exactement. Tu sais, moi, je t'ai passé à côté de la série, j'ai vu Ron, j'ai fait genre... J'ai peut-être. En, en fait, en fait c'était ouais. dur à regarder parce que c'est comme si on disait, tu vois, il y a une série avec Alain Chabat. Moi, je le vois, j'éclate de rire, oui, ça. Vois, Donc, c'est difficile. Mais, mais non, il avait, dans la série, genre, Dev, il était ex exceptionnel, cet acteur. Il est, il est fantastique. Donc, du euh, coup, ça euh, nous permet voilà. de faire une transition absolument parfaite vers oui, les adaptations, puisqu'on va parler jeux vidéo et adaptation de bandes ah, de jeux c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. l'émission. Ouais, tout à fait, les bases pas. ont été posées. Maintenant, on attaque l'avantage de l'émission. On voit les vrais journalistes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une bonne adaptation Vous avez deux heures. Non, faut demander <laughs> quelle est la différence entre un non, une bonne et une mauvaise adaptation. Une bonne et une mauvaise adaptation. Pour vous, qu'est-ce que c'est une adaptation Parce que tu as plein de gens qui disent, oh, je pense que c'est le risque principal. Quand tu as une bande dessinée qui est adaptée en jeu vidéo ou vice-versa, tu as ce truc de, oh, ils vont ruiner mon enfance. Et avec les puristes le sacro-saint puriste qui dit genre ⁇ Oh mon Dieu, ça, ce petit détail n'est pas exactement pareil et tout ⁇ Donc, qu'est-ce qui fait une bonne adaptation Quelle liberté on peut ouais. se permettre, quelle liberté on peut pas se permettre Pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne adaptation Il y a la, le, la cible, déjà. En fait, quand tu prends euh, les gens que tu veux atteindre par le jeu vidéo, mmh. tu t'imagines une cible et le, le petit, le truc qui vaut 100 points, tout, tout petit, tout au milieu, c'est le cœur de cible, c'est-à-dire le fan. Mais ce n'est pas ce qui va te permettre de, 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 de l'étendre au plus grand nombre. Mais il faut que tu fasses plaisir aux fans d'abord. Et c'est de cercle en cercle, en fait. C'est comme ça qu'en tout cas, qu on, 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 en tout cas, ma perception du, du, de l'adaptation, c'est que tu dois faire d'abord plaisir à ton cœur de cible. Et puis tu vas le décaler d'un pas pour voir ce que tu peux atteindre comme autre cible, puis encore un, encore un pas. Encore un pas, donc c'est que des cercles concentriques que tu vas aller chercher en te disant Bah voilà, je dois faire plaisir. Donc il faut que je mette tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient dans ce jeu là, mais il faut que je le rende aussi plus moderne par rapport à un titre ancien. Donc, comment je vais le moderniser Ça aussi, c'est une, une donnée très difficile à, à, à mettre en place parce que tu pourras avoir 20 millions d'idées si ça plaît pas au cœur de cible. Tu pètes tout le reste de, des, de tes cercles. Donc, pour donner une image, une adaptation, c'est en effet, c'est une suite d'ingrédients. Mais il faut quand même euh, que le, les, les fans de base euh, puissent manger à leur faim euh, si, je, si on, on prend la biologie mmh. de la bouffe. Toi, Guillaume, tu fonctionnes ouais. pareil. Tu pars quand tu adaptes, tu te dis genre, je vise le fan hardcore et ensuite j'élargis. Je parlais après de ce que moi je fais, mais je. Parler au sens large, après on parlera mm -hmm. plus de détail, mais je parlais au, au sens large. Je pense que le problème d'une adaptation, déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple le sensei en... en CGI de Netflix, ou la plupart voilà. des adaptations de Netflix, le Cowboy Bebop en live, surtout le <laughs> One Piece, je te dis d'avance, c'est poubelle. Ah c'est pas mais possible que ça marche. Ou par exemple le, le film de avec Sean Penn, je t'annonce tout de suite, ça va être pourri. Tu regardes juste la boîte annonce tu sais que ça va être pourri. Il n'y a pas d'histoire. Alors, euh, ce qu'il faut faire, c'est plutôt The Last of Us, par exemple. Mais en fait, la réalité, une bonne adaptation, c'est, selon moi, déjà de base euh, quelque chose où tu peux te dire, c'est juste bien, en fait c'est pas bien mm -hmm. parce que ça respecte le fan c'est pas bien parce que ça respecte la méthode de transmission du virus The Last of Us c'est pas bien parce que le perso il a telle couleur d'armure dans cette sait ou pas c'est bien parce que de base tu as fait un truc bien c'est à dire tu as fait un bon film tu as fait une bonne série tu fait euh, et à la limite si ça prend des libertés pour rendre l'œuvre en termes de série comme The last of Us meilleure, parce que ce que tu as à la source ne tient pas eh ben c'est ce qu'il fallait faire tu vois ça, pour moi, une bonne adaptation ne cherche pas à copier à. il a raison. Tu regardes la scène d'ouverture, quand tu as vu la série animée de Cowboy Bebop, tu regardes. Mais il a raison. Mais même pas. Tu vois le trailer, tu vois les photos de production, tu sais que c'est mort. Tu sais que ça a été Netflixé, algorithmé. Tu sais que c'est pourri. Tu regardes le trailer du Sad Segal, le film qui vont sortir. Mais j'ai pas besoin de voir le film. Il y a toutes les clés pour te dire alerte, ça va être naze. C'est ça peut pas être bien parce qu'en fait tu vois la direction artistique, tu vois ce qu'ils essayent de faire et tu sais que ça va pas être bien. Oui. Ça peut pas, c'est pas possible artistiquement que ce soit bien. Et même le scénar, c'est pas possible. En fait, le truc, c'est qu'une bonne adaptation, c'est bah. <laughs> Déjà, ça respecte d'abord le média. Une adaptation doit respecter le, form mmh. le format de série télé avant de respecter le truc d'origine, que ce soit un jeu, un manga ou quoi que ce soit. Ça doit respecter son public et même au-delà de ça, ça doit être bien écrit, bien réalisé et bien joué. On s'en fout si euh, la manière dont il porte l'armure est pas. Non, si tu veux, bah le produit d'origine, parce qu'en fait, ça sera jamais aussi fidèle que le manga ou le jeu d'origine. Ça, c'est la réalité. Tu vois, tu regardes ça. ça... Non, c'est no way, ça c'est bien, c'est impossible. Donc la réalité, c'est ça. Je prends l'exemple de Batman. Tu vois, le comics, il y a eu plein d'adaptations en film, mais pourquoi je préfère et plein d'adaptations en jeu incroyablement bien, bien réussi. Sûr, mais, alors, bien sûr, mais si je préfère le, jeu, le, le film de Nolan, évidemment le, le Dark Knight, c'est parce que évidemment il n'est pas tout à fait fidèle à, à certains comics de Batman, peut-être plus fidèle à d'autres, mais en soi, ouais. c'est. Ça sert à quoi si c'est pour voir la même chose que j'ai en comics, ça sera jamais mieux que le comics. Bah, mm -hmm. je m'en fous, autant voir autre chose. Et cette autre chose, c'est une réinterprétation. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans une adaptation, c'est de voir qu'elle soit bien. Et ensuite, c'est quoi Si c'est pas la même chose, bah tant mieux. Si la Slova, ne si suit pas la trame du jeu, mais tant mieux, j'ai déjà fait le jeu. Bah alors, surprends-moi, pourquoi tu voudrais voir la même chose Non, mais c'est une vraie question, ça. Pourquoi mmh. vous voulez absolument que ça respecte le truc Ça sert à rien. Et surtout, si quelque chose a été créé pour faire un jeu, et si ça marche en jeu, ou en manga, ou en comics, c'est que ça a été d'abord fait pour ce média. Et que ça n'a pas été fait pour un autre média. Et donc, si tu le fais sur un autre média, autant faire autre chose. Euh, tu avais un. Je prends l'exemple de. Tu as des mangas. C'est hyper dur à adapter en live, les mangas. Franchement, euh, je, te cherche, je cherche un exemple qu parce peut que te mettre, euh... qui marche incroyablement bien. Dans ça, une bien bien, bien. Qui marche, bien sûr. Attends. Moi, je euh, je alors, alors je vous donne un. C'est euh, Christophe Gans c'est Crane Freeman. Ouais, avec Crane Freeman, c'était pas trop mal, mais encore regarde-le maintenant. Le seul. Alors, c'est mieux que le reste. Ouais. Mais tu... ouais, mais en même temps, il parle de Crane Freeman, c'est déjà un manga qui a plus de propositions et de logique à être adaptées en live. Un peu comme ouais. pourrait l'être, si c'était bien fait, Death Note. Comme le pourrait l'être, si c'était bien fait, euh, le Sanctuary, etc. Euh, déjà, quand oui. tu adaptes des, entre guillemets, des CNN, c'est plus simple, <laughs> de base. Tu adaptes oui. Monster, oui. c'est oui. plus facile. Euh, oui. Dragon Ball. C'est ça qu'il faut choisir pour, comme adaptation. Courage pour ça adapter ça. Pour mais bien sûr. Non mais tu peux Dragon pas. Dragon Ball, c'est fait pour. Ça rend évidemment mortel en animé. Mais déjà, de base, c'est idiot de vouloir tenter de, faire une... de le oui. faire en live. Akira, bien fait, ça marcherait. Cobra, bien fait, oui. Mais Dragon Ball, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas retranscrire bien Dragon Ball. Et à la limite, le meilleur truc qui a été fait en adaptation live, c'est un film amateur qui s'appelle Dragon Ball Z The Fall of Men Si vous pouvez mettre le lien. Non, tu vois, Dragon Ball, c'était une super ah, comédie. Pas, 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 mais ça, est est le, il est interdit, oui. La... non mais si c'est une grosse comédie si tu le prends pour la blague oh, Maintenant, même pas elle est irritante Dragon Ball Z The Fall of Men, d'accord euh, c'est à la limite ce qu'il y a de plus intéressant mais euh, c'est un, un femme tu vois par... je prends mais là en soit longtemps... on parle de deux choses on parle tu vois de, de deux médiums où l'histoire passe avant tout c'est à dire qu'adapter d'un manga à un film, adapter d'une bah, bande dessinée à un film, l'histoire elle, elle est au cœur de tout le problème d'un jeu vidéo c'est que tu rajoutes la dimension gameplay qui est quelque chose de très oui. différent parce que Et... tu prends oui, alors, histoire. De Tiens, regarde, qu une Dragon Z histoire, tu fais une bonne histoire. Est-ce qu'un bon jeu, c'est, enfin, c'est-à-dire que quand Pascal il doit ouais, faire ouais. un jeu, il y a le gameplay ouais. à ajouter. C'est-à-dire qu'il Et... faut pas juste que l'histoire soit bah, cool à regarder genre, ou à vivre. A... C'est qu'est-ce ouais, que oui, tu, tu fais comme jeu genre, euh... Exactement. Quel genre de jeu tu fais Donc quand je parlais de, tu vois, de respecter les fans avec les cercles concentriques, tu as le respect de l'œuvre bien sûr à l'intérieur. Mais mais si tu fais un jeu euh, tu vois un jeu de baston avec Marsu, bah, je suis désolé, je je pourrais pas, tu vois, je ne saurais pas comment te te tu qui quel personnage etc. alors qu'un jeu de plateforme qui traverse une forêt luxuriante, un, tu vois avec une une, une comment dire une, une musique qui t'accompagne, euh, ça c'est facile, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus euh, respectueux de l'œuvre et et en effet tu vas tu vas pouvoir dériver, tu vas pouvoir décaler ton histoire, créer une autre histoire en parallèle, sans euh, te prendre les pieds dans le tapis en, en essayant de faire un ersatz euh, d'une quelconque BD. Donc en effet, le genre, il ne faut pas se gourer, le premier genre, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu choisis Oui, c'est ça. Parce, Parce que, que tu parlais dit, tout à l'heure euh, d'Obélix, comment tu, tu fais. le fais ouais. C'est ça. Oui, Astérix Obélix, on a la chance que. Tu peux euh, faire autant euh, une histoire qu'un un beat them All, comme tu dis. Tout est possible, en fait. C'est possible, parce que ça reste quand même un truc bon enfant, où, où la baston est quand même le, le, le lien. Euh, mais un baston, pas, pas un versus, un baston mm -hmm. euh, bit All. Euh, ça reste le lien, même si en 3D, euh, voilà, ça a mis du temps à, à se mettre en place. C'était un peu compliqué, mais grâce à, aux, aux éditions Albert-René, parce que tu as quand même aussi euh, les ayants droit qui sont derrière. Hein te conseiller, pour t'aider, pour te refuser des designs parce que c'est pas dans l'esprit de, du, du, du dessinateur ou, ou du scénar donc oui il y a il y a une essence je pense quand même à respecter il y a un genre à aller chercher et pas se gourer et puis euh, oui bien sûr que je rejoins Guillaume un jeu c'est un jeu, c'est pas la BD mais comment faire en sorte que le dessin animé ou la BD tu puisses autant tu vois te, te divertir et, et avancer et kiffer ton jeu comme une bonne BD où tu t'es dit, ben bah voilà, j'ai passé un bon moment. C'est à la fin, la bonne adaptation, c'est est-ce que tu as passé un bon moment Oui, résultat, de toute façon, ça peut y pas. Mais pour y en arriver, fait, les ingrédients, ils sont complètement différents. Peu importe le sens, une adaptation, peu importe, soit jeu vers BD, l'inverse mmh. ou animé, ce qui, enfin, je pense à hein, ce qu'il faut résumer, c'est qu'il faut qu'elle tienne en elle-même. Il faut que ce soit un truc oui. bien, court. Euh, sans... Ça ne doit pas être bien parce que c'est fidèle. Ça doit être bien parce que c'est bien. Tu vois, le problème de la fidélité, euh, souvent, ils le rencontrent, nos amis, nos très chers amis japonais, quand ils font eux-mêmes des adaptations en live euh, de leur animé. Donc, pour être fidèle, euh, les mecs, ils gardent euh, les cheveux rouges de Kenshin, et ce que tu veux. Oui, mais en fait, non. Tu vois En fait, non. Dans ce cas, que là, je regarde, film, je regarde hein, la, la version verbes. animée dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas ça en live. Tu vois, pas... ça ne tient pas. C'est juste pas bon en vrai. C'est pas une question de... C'est juste pas bon. Et, euh, et voilà, il faut, faut juste que ça fonctionne. En fait, la volonté à tout prix de rester fidèle peut... Euh, en fait, pour moi, ça fonctionne quand tu fais une adaptation dans un format euh, dont le but est la fidélité. Tu vois, en animé, tu adaptes mmh. Dragon Ball en animé, mais bien sûr, tu vas chercher à être le plus fidèle possible parce que le manga vers l'animé, c'est un lien qui est tellement logique, tellement naturel et de toute façon, c'est juste les, une extension euh, évidente que heureusement que tu es fidèle, c'est ouais. tant mieux. Et à la limite, quand tu ne l'es pas là, pour le coup, je trouve que c'est un problème. Euh, tu débarques sur un média qui a au total opposé, c'est compliqué. La BD, euh, la BD, la BD classique vers le cinéma aussi. Euh, je pense que tu peux être très fidèle quand tu prends des BD euh, extrêmement réalistes. Tu ferais le Troisième Testament en film, tu pourrais essayer d'être le plus fidèle possible. Maintenant, par exemple, tu ferais le Troisième Testament en manga, il bah, ne faut pas essayer d'être fidèle. Il faut que tu. Il faut que tu connais les codes euh, du médium. Ouais, il faut, faut que tu changes beaucoup de choses quand même. Et c'est la même chose euh, quand tu fais euh, vid jeux vidéo à BD et BD à jeux vidéo. Il faut que tu te poses la question de quel est le type de BD, à quel public ça s'adresse à la base et qu'est-ce que tu veux en faire comme type de jeu. Euh, Astérix, euh, Astérix par exemple, on voudrait même en faire un jeu de baston façon Street Fighter on prendrait le moteur dégâts Dark System qu'il faut Guilty Gear Strive ou Dragon Ball Fighters par exemple, et tu peux être super fidèle, bah, regarde Dragon Ball Fighters, c'est une, adapta une adaptation absolument fantastique de Dragon Ball, et, et c'est. il n'y a pas plus fidèle. Avec Arc System à l'époque, ils font au coup de Tonoken Arcade, pareil, le jeu de baston, c'est ultra fidèle. Maintenant, on aurait dit, tu dois faire le jeu Dragon Ball façon Dead Space, en mode survival <laughs> à la en sorte de personne. Bah, N'essaye pas d'être fidèle, va falloir trouver autre chose quand même tu vois mmh. donc c'est vrai qu'il y, y a le genre d'origine à prendre en compte, mais in fine peu importe le sens dans lequel tu le prends ton produit doit juste être bien et je pense que le piège c'est de sacrifier la qualité d'une adaptation euh, sur le rang de la pseudo-fidélité voilà sur je, le fait je, de vouloir absolument vraiment... satisfaire le fan-hardcore c'est ça tout à fait. Bah, ouais. je, vais, je vais rebondir là-dessus parce que c'est ce qui dit d'ailleurs, ami Jonas, une bonne ouais, citation oui, ouais. ça. Voilà, ça. Pour, pour les néophytes. Voilà. Aussi pour les néophytes. Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que tu démarres par le fan parce qu'on est tous fans quelque part de quelque chose, donc tu démarres par le fan et tu passes d'ingrédient en ingrédient pour arriver jusqu'au néophyte. Euh, et, et forcément, tu vas y perdre au fur et à mesure de, de, tes, de tes cercles Puisque tu vas forcément décevoir à un moment donné. Et... Euh, et, et vu la production, vu le montant, de, enfin le temps, etc., que tu peux y passer, euh, et les mmh. chemins que tu peux prendre pour y arriver, euh, l'adaptation, elle doit être, elle doit convenir aux néophytes, voilà, au dernier cercle, quand tu as complété tout ça. Et c'est pour ça que, ouais, bien sûr, une bonne adaptation doit être compréhensible pour les néophytes. Merci pour pour pour, pour, pour le fait qu'on puisse rebondir dessus, mais mais en même temps euh, une BD au 35e volume, euh, elle va pas très expliquer toute l'histoire du premier volume, oui. Et parfois, euh, un manga euh, volume 8 de Naruto, bah, si tu pas suivi le reste, bah, tu peux t'accrocher quoi. Donc, euh, c'est encore une fois euh, là où je me rapproche vraiment beaucoup de Guillaume, c'est euh, choisir le bon médium pour la bonne histoire. Mmh. Il faut pas et quand absolument vouloir tout jeu, adapter ben... dans n'importe quel format, quoi. Euh, juste pour Exactement, adapter, parce que quoi. sinon, tu mets un skin. Mmh. Tu fais un bon jeu, tu mets un skin de tout. Et pas oui, ça. Bah, comme il y, y a eu beaucoup à les... un moment donné, avec les jeux comics, les jeux issus de licence comics, on en a eu une pelle. C'était tous des oh, copier-coller ouais. complètement pété du fiac. Et juste, on te collait Spider-Man dessus, on te disait, ah tiens, regarde ça, nouveau jeu. Et bah, comme des Vicos, on achetés parce qu'on ah. était jeunes et qu'il y avait Spider-Man dessus. Mais... Ouais, ou un petit Batman. Mais là, là tu prends ouais. le Batman. Euh... Le, le Batman depuis la PlayStation 2, 3, euh, euh, là, euh, j'aime beaucoup, hein, et je l'ai fait et j'ai adoré, mais c'est à la limite du skin quand tu fais un Spider-Man, tu vois, le dernier qui est sorti. Mm -hmm. le, le Batman a, a créé le genre. Le ah, les ont complètement genre. révolutionné le game, ouais. Voilà, voilà c'est ça, un peu à la euh, Metal Gear Solid, tu vois, pour, pour, pour mettre un personnage. Donc ça, c'était une idée de génie de l'avoir mis. Euh, mais tu as un batarang, tu as des objets, tu as des détails euh, qui vont toucher la histoire. figure du fan. Ouais, mais l'histoire, elle est elle, elle, là encore, euh, comme Guillaume, on va chercher une autre histoire. On n'est pas obligé, justement, d'adapter, mm -hmm. tu vois, euh, mot pour mot une histoire. Mais par contre, euh, ça va jouer dans les détails. Euh, un, un, un nouveau costume, c'est pas encore peut-être, tu vois, ça dépend du, du personnage, mais pas ce perso c'est pas le, le nouveau costume que tu vas mettre en avant ça va être plutôt des, des détails d'objets, de, des trucs iconiques, euh, retrouver euh, des marqueurs euh, qui vont te remettre dedans avec une bonne histoire tout autour. Là, euh, je t'avoue que voilà sur, euh, sur plus d'un titre, euh, bah, euh, les Sisters, on a essayé d'adapter. Euh, alors là, c'est plus plus enfant, mais de retrouver des euh, tu vois une, une chamaillerie entre les deux sœurs, de, de plein de petits détails euh, qui font que pas un remake et ses limites, on peut même pas. Hein, c'est une adaptation parce que c'est le genre, oui. Euh, le fait de passer du et jeu, change de support, à, à, du, voilà. De passer de la BD au, au, au jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo. C'est c'est le fait de dire que c'est adapté de la BD. C'est je, je, je dirais même plus euh, inspiré de la BD, plus que adapté de la BD. Moi, en tout cas, voilà, en plus de ces explications et de ce, de ce, de ce moyen de s'expliquer, euh, euh, l'inspiration, mais je reste quand même un peu sur la, la fidélité à l'œuvre, euh, sur des détails qui permettent, euh, des marqueurs qui permettent d'avoir de, de ouais. une, une, un jeu qui se tient euh, à la fin. Oui, -dire tu, tu peux tricher, oui. mais de toute façon, c'est bien, même quand tu essaies de faire une BD pour les néophytes, d'avoir deux niveaux de lecture, hein, c'est-à-dire d'avoir un niveau de lecture mm -hmm. que seuls les fans hardcore, ultra hardcore, pourront comprendre, mais disons ça que ce niveau de lecture, même s'il n'est pas percuté par les néophytes, ça ne les empêche pas d'apprécier l'œuvre. Donc, c'est-à-dire que c'est un bonus pour ceux qui sont vraiment fans. Et bien sûr, je n'ai jamais dit, tu vois, ne faut pas les laisser sur la route. C'est juste qu'il ne faut pas, faut pas que ce soit euh, be fun to win. Tu sais, c'est comme les gens en pay to win, tu, sais, tu dois payer pour gagner, tu vois. Ça, c'est nul. Euh, donc là, c'est la même chose. Il ne faut pas que tu sois fan pour apprécier. Il faut juste que si tu es fan, tu apprécies encore plus. Mais ouais. ça doit être appréciable, même si tu n'es pas fan euh, du matériel d'origine. Voilà, en fait, c'est un là peu où, ça la chose à trouver. Et c'est là où le genre est important. C'est là où tu vois si tu as fait un bon jeu. Moi, en tout cas, euh, je prends autant de plaisir à jouer à un Sonic de base, tu vois, un peu rétro, euh, que je joue à un Marsupilami parce qu'il s'y qu prête. Euh, et que Marsupilami, tu vois, a des inspirations de Donkey Kong, a des inspirations de plein de choses. Et. Et vraiment, euh, voilà, moi, je, bon, je l'ai fini euh, et euh, je l'ai, joué aussi avec mon fils. Euh, voilà, on, on c'est du défi et, et il connaissait pas Marsupilami avant, avant d'y avoir mis les, les mains dedans. Mmh. Et du coup, il a ça pu découvrir aussi, la licence sais, grâce à, à ça, ouais. Voilà. Après, paradoxe, dans l'autre, qu'une bonne adaptation, ça t'étend ton univers. Moi, je suis là-dessus, ouais. ça mmh. t'étend. Euh, ça doit amener un plus. de connaissances. C'est-à-dire que. À ah, part quand c'est vraiment bien fait, comme je dis, tu vois, comme The Last of Us, si c'est pour revoir 50 fois la même histoire que tu connais par cœur, même en tant que fan. Mmh. Bah, ça n'a aucun intérêt. Euh, ouais. Moi, j'apprécie plus. Demain, ils me font les, tu vois, une fois que je fais du The Direct, j'aurais, mmh. je sais pas, j'aurais préféré qu'ils qu prennent, euh, euh, bah, un peu comme ils ont fait, comme il l'a fait, voilà, Jérôme remarqué avec euh, Time Odyssey, la BD qu'il a sortie. Tu vois, il, il, il va chercher euh, des points, euh, on va dire des points pas développés dans la série et il est en l'univers, un peu comme avec Xavier avec la BD Goldora qui te raconte la suite de l'anime. Euh, ça, d'accord, ok. Tu vois, t'apprends quelque chose de plus et qui se tient comme un unitaire. Évidemment, celui qui a vu tout, eh ben, il aura encore plus de compréhension de, de l'adaptation. Mais je prends l'exemple, tu vois, d'Assassin's Creed euh, puisque j'ai fait les, les BD pour Assassin's mmh. Creed. Euh, quand on fait euh, up, euh, Assassin's Creed conspira. C'est la, si. euh, <laughs> euh, la version allemande, j'ai pas retrouvé, je pas chez moi. C'est la version allemande. mais C'est pas grave parce que le titre c'est dit c'est le même titre. En français. Ça, ça marche aussi. Euh, bah, donc voilà, euh, donc, la, la, la saga conspiratrice, tu vois, quand on fait ça, à aucun moment Ubisoft, ils nous demandent euh, d'adapter euh, littéralement euh, un de leurs jeux. Ils auraient pu nous demander. Oui, ils te disent euh, pas, reprends euh, le premier ouais. terme avec Ezio et mets le nous sur le papier. Quoi. Non, voilà, tu vois, donc il... Il nous laisse et euh, on décide de raconter un récit qui va se passer, qui va donner une zone d'ombre pendant la Seconde Guerre mondiale. et euh, en, Mais en utilisant toute la mythologie d'Assassin's Creed, où tu relis l'Assassin's euh, Creed euh, version euh, les assassins, euh, les templiers, euh, les armes miraculeuses d'Hitler et, et compagnie. quoi Et euh, en utilisant, euh, ou en fait ça consiste à prendre un truc de l'histoire et à lui donner toute une mythologie en expliquant tout via le, le corps, le réseau Assassin's Creed. Mais. Tu vois, il ne nous demande pas d'adapter un jeu. Et je trouve que tant mieux. Parce que à quoi ça sert bah C'était oui. pareil, on avait fait le, le comics, euh, un comic sur David May et là, c'était les chroniques de, de Virgile. Hop, hop, j'avais fait ça là, avec Patrick Pion. Euh, et bien, bah, quand on fait ça, il ne nous demande pas d'adapter un des jeux Devil May Cry. Non, on prend un personnage et on fait un spin-off sur lui. Et euh, je trouve ça plus intéressant dans une adaptation d'étendre l'univers que de copier le truc tel quel. C'est comme si on demandait à Pascal, bah bah tu vas prendre cet album d'Astérix et puis tu vas en faire un jeu qui suit à la lettre, case par case, le truc. Mais à quoi ça sert Et Mais en plus, ça peut pas être bien parce que tu vas toujours décevoir le fan. C'est impossible que ça marche, en fait. Euh... Ouais, il faut soit adapté autrement soit décalé pour moi une des meilleures adaptations par exemple, allez, on va dire dans le sens vers la série télé ça reste euh, mm -hmm. la saison 1 d'Ardeville euh, de Netflix pour le coup je trouve que ouais. c'est mortel ce qu'ils ont fait Tu vois, ils ont su intelligemment adapter et transformer le, le comics je trouve euh, dans le média live est-ce voilà. est qu'on peut euh, Hugo euh, est-ce que on tu peut peux rajouter une notion dont on n'a pas parlé aussi. Rajoute bien sûr, vous euh, êtes là pour ça. Dis-moi tout. On parle euh, aussi de l'époque. Ouais. Parce que euh, si tu reviens quelques années en arrière, euh, certains jeux ont été adaptés avec une histoire ou un peu différenciante de l'histoire principale. Et quand un jeu revient en retraçant l'histoire principale, mmh. si elle est bien faite, euh, tu tu retombes dedans plus rapidement, et que en ayant eu dans l'historique un jeu qui a retraité l'histoire, ça te permet aussi de te donner une liberté pour les jeux suivants. C'est-à-dire que ok, à oui, euh, tes un bases, il y a respecté le l'univers euh, pur, et que maintenant tu peux y aller. Euh, et les exemples. Parce que les matin, gens ont été satisfaits sur un joues, coup, c'est ça? <laughs> Au, au moins. Parce qu'ils ont au eu l'adaptation qu'ils qu qu voulaient, maintenant on peut s'amuser. Exactement. Ça peut être, tu vois, euh, alors bon, c'est pas des. C'est un peu. Euh, c'est Namco Banda, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais euh, un chevalier du Zodiaque, quand tu refais un jeu PS2 ou PS3, euh, euh, tu retraces le sanctuaire, ou tu repasses, même si les combats étaient euh, pas super super, mais qu'au moins tu retraces le, tu vois, le, le parcours, tu te dis, OK, un Ken le survivant. Quand ils ont refait euh, Roktonoken où tu, euh, tu avances euh, et que tu retraces voilà, point par point tous les éléments de l'histoire, euh, oui, ça te donne un certain attrait. Mais c'était sur des anciennes générations aussi. Hein. C'est pour ça que je remets l'époque, le tempo, en fait, la, la temporalité, tu vois, le, le moment présent, euh, à savoir qu'est-ce que tu as vu auparavant, à quoi tu as joué auparavant, qu'est-ce que tu as lu auparavant qui t'amène à un moment donné en te disant, ben bah voilà, mon jeu ou ma BD ou mon manga, il doit correspondre à l'ère du temps qui est comme ça. Tu as des ingrédients, euh, je peux avoir tort ou raison, peu importe. On a nos, nos, nos recettes, mais encore une fois, ça peut être, tu vois, Guillaume l'a bien dit euh, quand il avait dit euh, chez Humano, j'avais 20 ans d'avance. Euh, voilà. On a euh, des, des, aussi des, des époques sur lesquelles on, on, on ne maîtrise pas. Des choses qu'on ouais. ne maîtrise pas. Et Donc dans ça le sens, que. C'est une donnée importante de l'adaptation. Bah, oui, de savoir timer le moment. Ça change tout. Parce que le, le moment jour, définit à qui tout. tu parles et où il en est, et ça définit ton genre, parce que tu vas avoir un genre qui va prédominer, qui est peut-être très parlant pour des gens des années 90, qui est peut-être mmh. plus du tout dans les années 2020. Donc ton genre, il prend mmh. tout en compte, évidemment, quoi. Et du Par coup, quoi, quand on parle de, de genre, on parle. 90, c'était le jeu de plateforme quasiment uniquement. Hein. Tous les les jeux Disney sur Megadrive. Et tous les Disney, c'est la plateforme. Tec... Non, mais parce que tu as aussi la technologie. La technologie permet, euh, mmh. de, de mieux faire certains genres que d'autres. C'est évident que tous les genres où ils ont utilisé euh, tu vois les DBZ, Carrot, enfin où tu vois où tu as euh, univers libre en 3D avec des des scènes, des cutscenes animées. Bah, sur Master System ça passe, ça, serait, ça serait passé moyen tu vois donc il y, y a aussi oui. en tout cas dans ce qui concerne le jeu vidéo de l'adaptation on va dire de la BD vers le jeu vidéo il y a une vraie question sur euh, sur l'évolution au-delà du genre il y a des genres à la mode à certaines époques mais il y a aussi une question mm. de bah, de tech ouais il y a une question de, de technologie et de genre de jeu mm. euh, donc en plus faut tu vois c'est qu'est-ce que j'adapte ensuite qu'est-ce que j'adapte euh, dans quel genre de jeu tu vois est-ce que par rapport à ta public je pense à quoi et ensuite avec quelle technologie euh, Ce n'est pas, pas si simple. Je trouve que c'est même sans doute beaucoup plus difficile dans le sens euh, BD vers jeu vidéo que jeu vidéo vers, euh, vers BD, très clairement. Ouais. Tu à penses pense que c'est plus fond, difficile dans ce côté-là ah ouais, ah ouais, Trouver ouais, ton juge je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, mmh. est-ce que, étant donné que le jeu vidéo, tu as la manette en main Tu vois, ton joueur, il est impliqué. C'est-à-dire que tu as l'histoire. Et en plus de l'histoire et de faire vivre une histoire à quelqu'un, tu as aussi toute la partie gameplay qui est là. Quand tu passes oui. du jeu vidéo à la bande dessinée, tu retires le gameplay. Tu vois ce que oui, je veux dire Tu enlèves une ça. dimension. Est-ce que du coup, il n'y a pas un côté où tu, t te dis, tu te peux t plus plus facile Je ne te dis pas quel est le mieux ou quel est le moins bien. Je te dis en termes euh, ah de créateur. Je ne te dis pas, pas quel est le mieux, je te dis est-ce que ce n'est pas plus non. aussi difficile Parce oh, qu'intéresser quelqu'un qui a kiffé avec du gameplay, mmh. l'intéresser qu'avec de l'histoire, est-ce que ce n'est pas compliqué aussi Non, parce que tu as Non, mais justement, tu t'intéresses au lore, tu t'intéresses à l'environnement, justement. Bah oui, tu as moins de questions ouais, à poser. Tu hein. trouves tu... ouais, bah ton esprit, donc, tu vas chercher un, mm -hmm. peu, euh, un peu ce qu'il y a. Mais tu l'inverse. à l'inverse, tu es hyper dirigiste. Tu fais ce que tu veux, tu es l'auteur, c'est comme ça, comme ça, ils apprécient ou ils apprécient pas, mais tu es en train d'écrire sans avoir à te prendre la tête, justement, de euh, ce que la te prendre la tête du game design, tout simplement, de base. Oui, quand de tu quand tu penses à la BD, euh, voilà. Comme tu dis, le, le fait d'avoir des libertés, d'avoir le pas, d'avoir des notions de narrative, de game design, sans parler du moteur, de la... Enfin, le nombre de questions que tu vas devoir te poser quand tu vas aller de la BD vers le jeu, mais bon courage, Pascal. Hein. Enfin, c'est infiniment plus complexe. Et en plus, il faut trouver le ton juste, tu vois, euh, dans le jeu et les libertés que tu vas donner. Euh, parce que finalement, on pourrait prendre... Tu vois, on pourrait prendre le même jeu, la même BD et imaginer 50 il y a 50 chemins différents pour l'adapter en jeu vidéo alors que le jeu finalement on te demande de faire un spin-off et de raconter l'histoire de tel personnage en vrai il n'y a pas 50 000 manières de le faire, à la limite les questions que tu vas te poser c'est ce que je dois faire en manga, en comics ou en BD et mm -hmm. puis, voilà. Quoi. après il faut écrire une bonne histoire mais oui, sans il faut en arriver en là, en là. En... je te parle juste en... entre ramification de choix de production hein, tout au début mm -hmm. tu vois des, des possibilités qui s'ouvrent à toi, il y en a tellement plus un milliard en jeu que que c'est si c'est plus compliqué à produire. Voilà, je sais pas c'est mieux ou moins. Bien. Alors je suis vraiment désolé bien. de te couper Guillaume, mais euh, ça ça à ma Pardon. porte. Je vais ouvrir en deux secondes et euh, instant promo pour euh, tous les deux. Guillaume, qu'est-ce que tu peux dire? Où est-ce qu'on peut te retrouver la prochaine fois en émission? Et Pascal, est-ce que non, tu peux nous moi, dire sur le dernier jours qu'on est en train de, train de bosser? Si J'arrive tout de suite à l'écran. On parle mal de lui, tu vois? <laughs> oui, ah bah, en ça, c'est parfait. <laughs> euh... Ouais, on peut on peut rebondir aussi. Euh, Guillaume, c'est quand on démarre, euh, ouais, quand on démarre un projet. Moi, je suis, j'ai de la chance, je suis, tu vois, chef de produit, donc c'est pas moi qui ai vraiment les mains dans le cambouis au début, mais le producteur, ouais, on participe, on se fait des, des kick-off meetings, on, on regarde, on, on se dit quel type de jeu on doit faire. Euh, la la différence, euh, c'est qu'on est, qu on est on est dicté, en effet, pas seulement par le game design, parce qu'on a. Heureusement, on a des ayants droit derrière, tu vois, qui peuvent nous donner des chartes, qui peuvent nous dire, voilà, c'est plus comme ça que tu dois aller. Euh, en tout cas, vers ce, ce design-là. Et quand on a des bons artistes, tu vois, comme Mr. Nuts sur le. le sur le, le, le beat qu'on a fait Baffer les Tous, euh, ça, c'était euh, un magnifique photo. <laughs> euh, tu vois, sur le. Euh, sur Buffet les Tous, on a voilà on, les mecs en, en 2D euh, en pixel art, ils ont cartonné. Ah, ça y est, il est revenu. Attends, la régie, tu veux que je me remette exactement dans la même position Voilà, attention. Ah, mais t'as le casque Ah, merde, je suis pas écouté. Ah, dommage. Bon. ouais, on parlait d'ayant droit et de design, justement pour rebondir sur le ouais. design. Donc, quand tu as des, des, des bons studios aussi par rapport au, au design, comme Mister Nuts, donc sur Buffet les Tous, tu vois le pixel art. Ils ont Réussi à créer pour Astérix et Obélix, euh, voilà c'est super joli quoi. Et euh, tu vois, en termes d'animation, on a essayé d'aller au maximum de ce qu'on pouvait par rapport à ce genre. On rend, on en revient au genre. Euh, tu as des cycles, donc là on était dans du beat vémol euh, bah, depuis Street of Rage 4 en passant par les Tortues Ninja et donc baffer les tous. Euh, où tu as un genre de beat qui était un vieux genre qui est revenu. Euh, il y a, y a des temporalités, mais il y a aussi le game design. Et le game design, si ton jeu, il est moche et que tu es censé en être inspiré ou, ou, ou d'avoir une adaptation, bah, là aussi, tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, euh, voilà, toutes ces recettes-là sont, sont compliquées. Alors qu'un parti pris sur une BD, je pense que, tu vois, un, un design, une texture... Regarde le Goldorak, les personnages, ils sont pas... Ouais, ils, ils ils sont fidèles par leur nom, par leur évolution, mais... Ah, tu penses euh, qu'un parti pris de ce côté-là est après. plus facile à prendre C'est-à-dire que oui. de prendre de la liberté d'un jeu vidéo vers une bande dessinée en disant on prend un parti pris graphique, qu'il est possible de, dans l'autre sens Oui, ouais, ouais. C'est plus facile. Non, en bah, tout en cas, fait, de façon, de mes euh, yeux. Ouais. La facilité, elle est, elle est hyper simple à expliquer. <laughs> Assassin's Creed, euh, ils sont 1000 à peu près pour faire un jeu. Okay, entre mm -hmm. tous les studios partagés, le market, la com, ouais. il y a 1000 personnes impliquées à peu près. Euh, pour faire la BD, euh, on est deux. Et tu... bizarrement, prendre des décisions à deux, c'est plus, plus facile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 1000 personnes sur Assassin's Creed qui prennent des décisions en même ouais. temps. On est bien d'accord avec ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'à ouais. chaque fois qu'ils font un jeu, le nombre de personnes impliquées, de décisions, de trucs, plus il y a de gens impliqués, plus c'est compliqué. Plus élaboré, ça veut pas dire que c'est moins bien. Juste, c'est plus compliqué. Quand t'es deux, tu peux faire de la merde, tu peux te tromper. On est bien d'accord là-dessus. C'est juste que tu... le processus, il va être plus littéral. Je vais te prendre l'exemple extrême. En fait, plus tu prenons, en fait, si comme si avais un média de départ, c'est le livre. tu as une intention de l'auteur dans le livre. Tu lis exactement l'histoire qu'il veut te raconter. Ensuite, tu vas descendre d'un cran quand tu vas aller par exemple, par rapport à un scénariste, ou si c'est évidemment un auteur qui est dessinateur scénariste. Mm -hmm. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui écrit le cas comme moi quand tu fais une BD ou un manga il y a quelqu'un qui va réinterpréter tes écrits même si tu peux être précis dans la façon dont tu découpes ta case tes cases tu donnes les dialogues tu donnes toutes les intentions de narration tu fais tout ce que tu veux forcément il y a quelqu'un qui arrive le dessinateur c'est le réalisateur qui va transformer euh, ce que tu as écrit l'adapter entre guillemets et voilà c'est un travail à deux il y a pas de problème mais c'est que deux ça passe encore tu vois tu tu peux préciser un truc qui était honnêtement à 99 que tu as écrit qui est retranscrit, mais avec la vision du dessinateur. Mais c'est quand même retranscrit. Et après, plus tu vas monter, plus ça va se compliquer. Tu veux commencer à faire une série télé, <laughs> à moins que tu sois toi-même le showrunner, scénariste, réalisateur Producteur, et acteur. voilà. <laughs> ça va être compliqué. Mais c'est d'ailleurs pour ça que souvent les meilleures séries. C'est des mecs qui ont eu carte blanche. C'est des mecs qui ont eu carte blanche, pour qui sont des, des showrunners, qui ont produit vraiment… C'est HBO avec l'air de Oz et de Soprano qui avaient lancé ça. Mais les mecs qui font vraiment… Tu vois, qui ont le moins de bâtons dans les roues, bizarrement, ils font la meilleure série. Et c'est la même chose au cinéma. Tu vois, quand Miller, il refait Mad Max Fury Road, on lui a dit « Vas-y, fais ce que tu veux ». Mais il aurait eu derrière Disney et compagnie. Tu peux être sûr que le film qu'il avait en tête au départ, ce n'est pas celui-là à l'arrivée. Donc, plus tu as de gens impliqués, plus ça se complique. Et, et l'étape au-dessus du live, tu vois, l'étape euh, au-dessus de tout le monde, c'est le jeu vidéo. Le alors, boss final. Là. Et alors donc. là, donc c'est pour ça, ne serait-ce que pour ça, produire un jeu adapté à partir du moment où tu rentres dans une prod, c'est-à-dire que tu vas produire un jeu où tu vas adapter, tu vas mettre en commun beaucoup de gens, beaucoup de talents, ce n'est pas la question en fait, il y a juste beaucoup d'humains, tu vois. Et mm -hmm. alors que dans la belle il n'y a que deux personnes. Beaucoup plus d'humains égale beaucoup plus de conflits potentiels Ou en tout cas beaucoup de compromis Beaucoup de discussions Et in fine c'est plus dur à faire Ça veut pas dire que ça sera mieux ou moins bien C'est juste le process qui est plus complexe Voilà C'est quoi votre niveau de liberté à tous les deux quand vous êtes dans la création C'est à dire que toi Guillaume tu dis on est deux Est-ce que par exemple pour l'Assassin's Creed on t'a dit genre Allez-y Vous avez carte non, blanche alors... Et toi, Pascal quel est ton ouais. niveau de liberté quand vous créez un jeu Par rapport aux ayants droit de la bande dessinée Vas-y Pascal, ton tour, après je m'explique. Je ok, bah, moi, comme, encore une fois, hein, je ne suis pas produceur, mais je suis chef, mm -hmm. chef de marque ou chef produit, donc on est en relation étroite avec le produceur. Euh, le, le projet, il arrive sous forme d'une idée. Donc tu dois la compléter, tu dois la créer, tu dois écrire, euh, tu dois réfléchir au genre, quel genre on fait, comment ça va plaire, à quel moment tu le sors, et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne vas pas avoir de la compétition en face quel type tu vois toute cette, cette première timeline je veux dire que voilà ce temps là euh, tu, vas, tu vas payer des gens à travailler énormément de gens à travailler pour arriver à un temps précis où tu dois sortir ton jeu donc dans cette période là l'ayant droit euh, celui qui te permet d'acheter ou de vendre la licence enfin mmh. à qui tu as acheté la licence vient en termes de charte ou de conseils ou de D'approbation de chaque élément que tu vas faire et que tu vas mettre en, en place. Donc, une fois que tu as choisi ton genre, que tout le monde est d'accord avec le genre. Donc, déjà, ça aussi, euh, c'est compliqué parce que tu te ça dis que temps. ça ne correspond pas forcément à, à tel ou tel euh, élément. Euh, et qu'une fois que le genre est, est, est passé, et ben, le studio, le producteur chez nous, parce qu'on est un éditeur, donc on a un, euh, du conseil, on a du financement, on doit réfléchir à comment on va le mettre en place. Chez qui, comment, quel pays, euh, chez comment on le traduit. Euh, donc, toute cette chaîne-là, elle est tellement énorme qu'en effet, c'est rempli de consensus, c'est rempli de, de compromis, mais pas seulement. Mais à la fin, il faut qu'on décide. Donc, quand on est éditeur, on prend cette décision, on prend des décisions qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais on prend des décisions. Et avec l'ayant droit, on doit lui amener et lui vendre cette idée et ça se fait en plusieurs épisodes donc tout, le, tout ce process est déjà fait au moment où tu le vends à l'ayant droit donc il y a quand même un énorme taf où avant que l'ayant droit ils peuvent te dire oui ou non ouais. Me... Ouais, c'est ça où tu le montres à l'ayant droit en lui disant euh, est-ce que vous validez alors c'est pas à la fin du projet hein. c'est ce, cette première partie entre 3 et 6 mois de réflexion à savoir ce qu'on fait comment on fait, euh, mm -hmm. fait qu'est-ce qu'on met dedans euh, euh, en combien de temps il va être fait euh, c'est un GDD, un Game Design Document et dans le Game Design Document tu racontes l'histoire comme, euh, oui, un donc, pitch un, plus, un, plus, un, plus, un, quoi. Comme un scénarii, synopsis. Voilà. Ou... Un pitch mmh. plus. Un pitch plus, parce que pour quelle console, vers quel truc, euh, qu'est-ce qu'on met en avant, euh, quelle est l'histoire. Et, euh, et, et, et à partir de ce moment-là, bah, tu vas démarrer du game design, tu vas démarrer des gameplay events, euh, où tu as un moment, tu es en train de faire quelque chose, et là, les endroits il va dire maintenant, le héros, il ne fait pas ça. Donc ok, donc, tu lui dis, ouais, mais est-ce que exceptionnellement dans la, le jeu, il a le droit de le faire Donc on revient sur l'adaptation, tu vois Et donc tu as des choses comme ça qui peuvent… Oui, là par exemple, être... si tu prends Astérix qui sort son glaive et qui plante un romain dans le jeu, l'ayant droit, il va peut-être te dire… Exactement, genre, mais c est c est tout l'intérêt hein. de faire des spin offs sur des persos qui vont te laisser plus de liberté que le perso principal en fait, je trouve. Exactement. Mmh. Parce voilà. que tu ne peux pas trahir, tu peux adapter avec un ton, mais tu peux pas trahir non plus, il y, y a une limite quoi. D'où le respect de l'œuvre et de la connaissance que tu as de l'œuvre. Et qu'est-ce que tu peux en amener? Donc si tu arrives à bien le vendre et que l'histoire se tient, merci Guillaume, euh, si l'histoire se tient et que le personnage adapte un petit peu, tu vois là on avait euh, euh, alors sur Astérix et Obélix c'est pas possible, mais sur Marsupilami, on a trois personnages. Et ces trois petits personnages ne sont pas issus de Des la famille de depuis... Marsupilami mmh. de base mais c'est des marsupilamis. Et, et la façon de les créer, on garde toujours le premier élément qui est jaune et noir, enfin jaune avec les petits points noirs, et mais tu as une, une orange, tu as un qui est plutôt bleu, et ça passe. Donc, euh, euh, le, le studio aussi graphique a, a, a créé de, de, des super designs, tu vois, et, et que l'ayant droit nous a dit « ouais, c'est joli ». Et puis, qu'il y a aussi en parallèle euh, d'autres projets... Euh, euh, je dirais tu vois tu avais la bête euh, toujours une Bd de, de Marsupilami qui est un peu plus adulte où tu as eu l'occasion de de, de, de t'éloigner un petit peu de ce de ce de, de, de l'histoire principal classique tu peux ouais. avancer dans l'adaptation mais c'est tout est une question de recette et de dosage il hein, n'y a pas il y a, y a malheureusement t'as pas de recette t'as pas de secret euh, as un feeling tu tentes ta chance tu crées un truc euh, et puis euh, voilà tu es entouré donc euh, L'expérience fait que euh, tu, tu perds moins de temps à expliquer une idée et tu sais tout de suite d'emblée que ça là elle ne marchera pas. Donc, tu Ouais. Et tu reviens dans… Tu fais ton euh, tri dès euh, le tri début. De... <laughs> voilà. Et toi, Guillaume, c'est quoi ton degré de liberté Par exemple, sur l'Assassin's Creed ouais, Je fais ce que je voulais. Non, je déconne. <laughs> non, ça Je, pas je pas fais ce que, que je veux, OK Je euh... suis non, arrivé avec le truc que... fini, je l'aurais posé sur le bureau, j'ai dit ouais, « c'est 100, ouais, 100 balles ». De, 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 de toute façon, quoi qu'il arrive, es, tu fais effectivement tout valider euh, de A à Z oui. par par Ubisoft, par la Légion Droit. Il y a même, en fait, sur Assassin's Creed, de un... toute façon, il y a un référent spécialiste du lore pour tous les produits dérivés d'Assassin's Creed. Ensuite, il y a une Bible auquel seuls les gens impliqués dans ce type de projet ont accès, genre une Bible qui résume tout ce que tu vois euh, au niveau du lore dans les jeux et même ce qui n'est pas dans les jeux. Mm -hmm. Ce qui permet d'ailleurs d'aller piocher okay. des trucs euh, que tu peux faire, euh, voilà. Et de toute façon, quel que soit ce que tu construis, euh, je vais essayer d'aller prendre des détails de ouf euh, sur des détails du jeu. Parfois, ça peut être un log, ça peut être un texte, et je vais rebondir dessus, etc. Donc, il euh, faut respecter ce qui est gravé dans le marbre. D'accord Et ensuite, tu proposes des trucs par rapport à ce qui est gravé dans le marbre, et ils vont te dire, bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Euh, Chez moi, au début, en plus sur Assassin, c'était marrant. Euh, on, on, on voulait. Euh, quand, la première fois, quand l'assassin avec les dessinateurs, on dit ouais, nous on est fans de Vikings, on voudrait faire un Assassin's Creed autant des Vikings. Ils ont fait non, ça ne va pas être possible cette période. Pas le moment. Là, Il y a des années et, on, et du coup, on s'est dit bon, bah peut-être un jour, probablement, va y avoir un Assassin's Creed à l'époque des Vikings qui va débarquer parce que voilà. Et, euh, oui, ça aurait et été bon, pas possible que tu crées et, et 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 bah, bah, es un jeu qui contredit quoi. C'est ça, c'est ça. Et là après, on s'est dit bah, tu vois, on va tenter une période qui a vraiment pas du tout sûr un jour de voir la tête en jeu c'est genre les justement la Seconde Guerre mondiale pourquoi parce qu'en fait le fait d'utiliser que des armes même si dans certains cas comme Syndicate tu as, as un début d'arme mm -hmm. ça changerait vraiment le core design du jeu tu sais, qui est plutôt ouais, ton euh, gameplay est très euh, sur des armes d'épée, couteau, etc. Tu vois, donc tu passerais à vraiment autre chose avec des armes à feu que des armes à feu. Et donc, il euh, y a très peu de chances qu'il y ait des, des, des Assassin's Creed. Enfin, je dis ça après tout. Ils Seconde pas guerre dit, mondiale avec l'épée, épées, t'as l'air d'être. Il y a qu'il y, y, qu y ait des Assassin's Creed, on va dire, euh, en action principale temps moderne. Voilà, je vais dire ça mm. comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un jeu qu'on pouvait utiliser. Et, et en plus, c'est. Voilà, mais il faut quand même. Il faut prendre tout le lore en compte. Il euh, faut intégrer aussi toutes les mécaniques, mais après, par exemple, il y a une vraie question moi, qui me taraudait euh, dans Assassin's Creed, qui est un peu le, le sujet de conspiraciste. C'est un truc très bête, mais dans mm -hmm. Assassin's Creed, euh, basiquement, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, mais en gros, euh, tu as des gens dans le présent qui, avec l'animus, c'est une machine qui te permet de revivre euh, mm -hmm. des mémoires passées. Passé. Tu ne peux pas les changer, hein, ouais. tu les revis, mais si tu veux chercher, par exemple, des artefacts qui ont été planqués, bah, tu revis une mémoire passée pour aller trouver l'artefact, etc., dans une sorte de simulation virtuelle. Et la question que je me pose, c'est un peu, mais. Euh, tu sais quand tu joues au jeu, tu es toi-même la conscience du protagoniste que tu joues, tu es d'accord Ouais. quand tu lis une BD, le protagoniste qui est dans le passé, est-ce qu'il a conscience d'être joué par un joueur Est-ce qu'il a une conscience de lui-même Est-ce qu'il a conscience d'être dans une simu et les PNJ que tu vois parler Tu vois dans la BD. Si tu te places dans une côté autre. Tu vois, quel est le. Non mais c'est vrai Quel est le niveau de conscience de personnage Tu as plein de questions autour de ça. Alors après, on a fait plein de propales. Et parfois ils ont fait non. C'est trop. Ah, c'est pas ça, c'est que ça obligerait à dire, euh, vous voyez, qu'on tentait d'une réincursion de réinvention du lore, tu vois, et, et, euh, ah ouais, ouais, je suis parti dans des trucs, mais alors, techniquement, si je prends par exemple la conscience d'un PNJ, est-ce que je peux la réuploader dans tient dans le présent quand il utilise l'animus, tu vois, il y a eu plein de, les ouais, enfin, non. <laughs> et, euh, tu des fait, questions mais, qui nous dérangent, t es, t es, monsieur d'horizon, Mais c'est vrai, c'est vrai, techniquement, puisque t'es pas, Tu euh, as ouais. une vraie question de. Tu vois, du joueur euh, qui joue, et c'est n'est pas le cas quand tu lis une BD. C'est un lecteur qui lit quelqu'un qui a un discours conscient. Donc, ce n'est pas du tout. Euh, tu vois, donc cette, euh, cette façon, cette gestion du quatrième mur, c'était un truc qui était une vraie question, en fait, euh, euh, pour aborder cette BD. Tu as des trucs parfois auxquels on ne pense pas. Euh, ça peut pas être juste littéral. Euh, voilà. Non, mais bon, bref, ils vont te dire ce que tu. En fait, moi, mon idée, c'était tu proposes la max. Genre, c'est vraiment le truc où tu vas en mode, euh, on a et on prend quelques libertés. Donc, l'idée, c'est que tu mets la max et puis ils vont barrer les trucs en rouge. Mais c'est toujours pareil quand tu fais une négo, tu veux plus d'argent, tu vas demander 8 fois ce que ton augmentation pour avoir x2, tu vois. Bah, là, c'est pareil, on a demandé x8 de liberté et on a eu x2, ce qui nous convenait tout à fait parfaitement. Et par contre, une fois qu'on a… En fait, dans tout ce qui sortait du cadre… Euh, on va dire de respect du lore, si tu veux. Tu vois le, le niveau de violence, d'implication de l'histoire, les dialogues, tout ça, on avait vraiment carte blanche. Alors, évidemment, ça est on, quand on est partait cool. pas totalement juste. Oui. Hein. Mais euh, tant que ça restait dans le respect du lore et d'une œuvre qui est logique pour qui se passerait pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, fallait que ce soit voilà, fallait que ce soit hyper cohérent et, et, et lié au lore. Et, pardon, et lié au lore, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passait sur Assassin, mais en fait, sur Lost Planet ou Devil May Cry, c'était pareil. quoi. C'était à peu près euh, le, je, je, le même concept. Je rebondis. Euh, alors, je, déjà, je vois dans le chat, euh, merci Radio, ouais. qu'on euh, ne te connaît pas, mais on t'aime aussi. Et euh, <laughs> tu as JB euh, qui a une question GB, pour toi. Ouais plus 6, euh, euh, Qui demande, oui, du coup, je suis un sûr, gros fan euh, de Rayman, j'ai aussi acheté Martieux, est-ce que bah, c'était est une ref c'était une ref en fait t'en as pas beaucoup hein. as... enfin pas beaucoup de façon de parler t'avais trois grosses refs euh, en termes de, de jeux de plateforme t'avais euh, donc Donkey Kong euh, Sonic et, euh, et Marsu euh, non Rayman, bien et, sûr. Rayman. Euh, et Rayman alors Rayman légende oui mais euh, encore une fois euh, euh, on sait qu'on va pas non plus créer ou recréer ou ou trouver l'idée euh, magnifique tout de suite comme ça. Euh, on est dans un monde où on est sans cesse euh, traversé de plein d'inspirations, euh, que ce soit sur la série, que ce soit sur le film, euh, sur nos histoires personnelles, sur un bouquin, sur une BD, un manga, un comics, même parfois inconsciemment, on ne fait pas exprès, euh, de sortir une idée, de se dire tiens voilà, j'ai pensé à ça. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut être aussi bien entouré de personnes. Qui ont les connaissances pour, et justement, à mon avis, avec Guillaume, le fait d'avoir un référent lore, ça a dû être. Oui, c'est assez... bien ça, hein c'est très pratique. Ah, peux, tu, tu peux l'appeler tout le temps, ils ont fait je voulais faire ça. Ah ouais, ouais, tu, tu as son 36-15 voilà, code lore. Dur, ouais. Alors. Euh, mais, euh, non, non, mais euh, en effet, bien sûr, ouais, on a, on a des refs, euh, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un jeu un peu différenciant quand même, et qui regroupe, en effet, des petits. Les petits détails de chacun de ces jeux là et euh, ça a été un moment une critique et ouais je voudrais je voudrais en parler un peu parce que ça je me suis dit c'était pas très fair play dans le sens où euh, bah euh, ouais on était critiqué en disant bah ouais mais donc kong euh, euh, ils se sont inspirés de bah oui on s'est inspiré de, de jeux comme ça et on s'inspire de jeux qui ont bien bah, marché qui ont été bons et il n'y avait pas de tu vois forcément euh, de se dire bah ouais mais le, le le, le nouveau joueur, le néophyte ou la, la personne qui va s'intéresser à Marsupilami elle aura peut-être pas joué à Donkey Kong et, et elle va trouver et ça. Puis tu ne peux puis pas elle, réinventer si à chaque Kong, jeu pardon. non plus. C'est pas, pas forcément. Un écoute, je, le secret, c'est que c'est impossible. Tu, tu peux pas. Ouais. Euh... Hey, je donner un exemple. Tu prends Avatar. Avatar, euh, c'est quoi Enfin, le premier Avatar. C'est Pocahontas. Bah, Pocahontas dans l'espace ou c'est danser avec les loups mm -hmm. C'est quoi c'est Pocahontas. Et puis, Titanic, c'est quoi C'est remuer Juliette sur un bateau Non, mais si, vraiment. Et c'est tout. Et Guimauz, merci beaucoup pour rien. ton raid. C'est comment tu adaptes. Euh, comment tu adaptes. Et évidemment, tu apportes quelque chose de plus. Euh, on est d'accord. Mais ça. tu pars toujours d'une base. Et si la base est solide, bah tant mieux, après tout. <laughs> Je vous coupe deux secondes pour dire merci à Guimauz qui vient de nous raid. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, les Guimosiens. J'espère que vous avez passé un excellent live du côté de chez Guimauz. Ce soir, on parle de bande dessinée et de jeux vidéo et comment on adapte un médium à l'autre et vice-versa. Avec Guillaume D'Horizon Dorison, aka 5K, spécialiste du rétro gaming, auteur de multiples bandes dessinées et de mangas. Et Pascal Benatar, qui bosse chez Microid, donc studio de jeux vidéo, qui a quand même un gros, gros catalogue de jeux vidéo tiré du monde de la bande dessinée. Installez-vous confortablement. Et coucou Clémence, coucou Ewen, bienvenue à tous. Et de façon plus générale, bienvenue dans Culture Bull, où tous les lundis soirs, on parle bande dessinée, manga et webtoon. Voilà, bienvenue à vous. Et merci beaucoup Guillaume, ouais, encore vous pour y ton live. J'espère que ça s'est très bien passé. Temps, là, finalement, Chut, il ne faut pas le dire, si tu l'as dit, ils s'en vont. Chut, pense au <laughs> Time Restez parce <laughs> que vous avez <laughs> de la bande dessinée, mettre... des jeux vidéo et tout à gagner. Allez-y, voilà, restez on, dans voilà, le coup. On continue, on continue. C'est euh, ça, GBTist, parce que de toute euh... façon vous allez avoir un tome de Marsi à gagner, un jeu Marsi ouais. et un manga ouais. thread zone aussi aujourd'hui en plus de bande dessinée ouais. et de manga. On vous offre des jeux vidéo. Voilà. Exactement. Et euh, la nouvelle version en plus avec le DLC, euh, totalement ah oui, inspirée, pas du tout adaptation. Euh, avec les dinosaures, c'est juste un, une tuerie. Euh, difficile de se. Alors, barre stress, difficile de se sortir de l'influence de Donkey Kong j'ai l'impression de ça euh, du peu que j'ai joué à marsu bah avance un peu plus en effet tu vas te retrouver avec l'histoire des tonneaux avec les toucans mais mais euh, autant euh, voilà on a on a fait un jeu plus fluide euh, un jeu euh, qui est dans, dans l'inspiration en effet de, de des, des trois des trois séries qu'on a citées euh, des trois des trois très beaux jeux qu'on a cités mais je pense qu'il a sa place euh, parmi parmi euh, en tout cas aux côtés de donkey Kong comme un un bon jeu un peu différent euh, j'espère que si tu continues un peu plus tu vas tu vas te retrouver à, à faire des choses un peu euh, voir le pas de côté en un, fait un peu plus ouais un peu plus complète et puis un peu plus enfin c'est joli c'est mignonnet et puis tu peux jouer à plusieurs et et tu as notamment deux trois euh, niveaux euh, en fait un peu plus difficiles euh, avec euh, du time attack et, 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 et certains euh, euh, certains modes euh, de, de difficulté qu'on a rajouté justement pour euh, pour donner un peu plus aux, aux fans. Donc, euh, merci encore, en tout cas, pour, pour tous vos commentaires. Moi, je, je suis d'Itirambi, que euh, c'est vraiment un très, très bon jeu de plateforme. Marsu, et gagne, on hein, va voilà. avoir plus de joueurs. Je vais vous poser une question qui va être extrêmement compliquée. Il va falloir que vous me trouviez tous les deux un mot importe lequel un mot qui vous fait kiffer et euh, je choisirai parmi les deux mots celui qui me fait le plus marrer pour que les gens le tapent en masse dans le chat pour pouvoir avoir une chance de gagner un tome de Marsupilami le jeu Marsupilami et un tome de manga Red Zone ainsi que plein de pièces à dépenser du côté de Webtoon Factory je vois que ça réfléchit à pleine barre du côté de chez Pascal ou bas ou euh, pas mal j'ai dit un plus ou bas ou bas ouais une fois en un seul morceau ça ne marche pas ah oui, c'est moi. Merci, euh, du Non, mais ça parle. Il y a quelqu'un qui a dit, ça fait plaisir, ça fera un lecteur. Merci. Et euh, <laughs> moi, je dis euh, GX4000. GX4000, pour ceux qui connaissent la l'AREF. Magnifique. Un... GX4000. Voilà, on parle des, oh. des vraies choses comme on les aime. Voilà. Parce qu'il paraît que les vrais sachent. Les vrais eh, sachent. Les choses que les à moins de 20 ouais. ans ne peuvent pas connaître. <laughs> Tata, ouais, attends, pas bon bah ça crie ouba dans oui, le chat, ouba. du coup on va partir euh, sur oui. ouba ouba. Est-ce que la régie peut nous faire un double ouba avec H s'il vous plaît? Et euh, ouais. pendant que la régie est en train de setup le tirage au sort, est-ce que euh, Guillaume, euh, dernière oui. question, est-ce que tu as aussi fait du manga, mais pas un manga adapté oui. du jeu vidéo, mais un manga qui est littéralement inspiré du monde du jeu vidéo? Puisque tu parles de versus fighting dans ton manga, ah, comment oui, les jeux versus fighting uh, story euh, Tout à fait. As vu comment une... est-ce qu'on écrit sur le jeu vidéo Parce Avec que un alors, clavier, comment est-ce un, un ordinateur euh, non, non. Voilà, voilà c'est tout pour nous. Merci. Bonne soirée. Voilà. Et Et non, comment non, il est, est... arrivé dans ses mains aussi vite Ah non. putain, comment ça tape quand ça tape tu vois, rien de... franchement, c'était chouette. Hein. Euh, non, mais uh, versus fighting story en deux mots, c'est très simple. Tu vois Ikaru Nogo. Où tu vois Aichil euh, mm -hmm. 21, bah, c'est Hikaru no Go, mais avec des gars qui jouent aux jeux de baston. Ou c'est Aichil 21 avec des gars, mais au lieu que ce soit du football américain, c'est des jeux de baston. C'est des jeux de et baston. La partie. Donc en fait, c'est un manga shonen sportif, mais en fait, c'est un shonen e-sportif, où euh, tu suis pas. Euh, tu suis des joueurs et des joueuses et des teams qui euh, essaye de percer dans le monde des très particulier des jeux de combat qui ne ressemblent pas du tout au reste du monde de e sport Ce n'est pas exactement la même chose. Et ce manga versus Fighting Story était fait en partenariat avec... Capcom qui nous avait donné les droits sur euh, les licences des jeux Street Fighter. Alors, ce qui est marrant dans ce tome, c'est ça que je bien, c'est qu'il joue à Super Street Fighter 2X sur bande d'arcade. Euh, alors que, non, dans la plupart des tomes, il joue à Street Fighter 5, mais à un moment, ils comprennent que pour être fort à Street Fighter 5, faut revenir aux bases. Et en plus, tu vois des vrais événements comme le HFS Summer, le salon de l'arcade. C'est ce que j'allais dire, il y a une vraie part de réalité dans ce, dans ce manga en soi. Étant donné oui, que c'est un que tu as euh, beaucoup fréquenté, voilà. tu as aussi des petits clins d'œil sur les visages de certains persos, ne nous mentons pas. C'est ça. Et puis à la fin, tu as même des bonus qui t'expliquent, genre euh, le jeu de combat pour les nuls, euh, tu vois. Bon, Alors, c'est sûr que c'est mieux si tu aimes un peu les jeux de combat, mais ça parle aussi beaucoup de rétro et donc pas que de jeux de combat. Et euh, ça parle surtout des, des gens et des personnalités. Par exemple, tu regardes, où je pourrais dire, c'est comme, tiens, d'accord, rajoute 3 de la série, tu sais, Formula sur Netflix, que tu montres, tu suis là où oui. personne ne Drive sur Survive, ah, que tout le monde en a rien mais avec des jeux de combat, donc même si t'en as rien à foutre des jeux de combat, tu peux t'amuser à la suivre, bon, c'est un peu moins de budget, hein, mais c'est sympa voilà, c'est un peu pour euh, Versus euh, Fighting Story, et c'est pour ça qu'après en ce moment chez Kana, Kana qui aussi fait partie du groupe Mediapart hein, euh, Kana, euh, après on a fait et ça c'est toujours en cours, ça s'appelle Talento 7 Talento, Talento 7, c'est quoi ben, c'est comme Versus Fighting Story, qui est comme le truc de Formule 1, qui est comme Icaro Nongo, sauf que cette fois-ci, euh, au lieu du jeu de combat, c'est L'univers des créateurs de contenu. L'envers mmh. du décor de l'univers des créateurs de contenu. C'est une comédie, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Chacun... Il se il pourrait que Guillaume ait ouais, un petit peu fréquenté lire, le milieu mais aussi. cela ne nous regarde pas. Voilà, pas. Donc, euh, voilà, mais, mais tu as, as des vrais set-ups. Euh, voilà. voilà. Bon, d'un côté résumé, de ouais. l'un comme de l'autre, que ce soit de Talento Seven ou que ce soit du côté de chez uh, Versus Fighting Story. L'avantage, c'est que, que Guillaume 1 est d'un côté <laughs> vachement entraîné dans le milieu du Versus, puisqu'il organise, il organise le Red Bull Committee, puis que toi, tu es aussi un très gros joueur à la base. Et euh, du côté des créateurs de contenu, bah, c'est que c'est aussi son deuxième métier, voire même premier métier, euh, juste après euh, le métier d'éditeur. Donc, euh, du coup, euh, bah, dans les deux côtés. On va dire que c'est saupoudré de, de réalisme et de euh, « j'ai vécu ». Donc, euh, vous pouvez vous marrer et à la fois euh, découvrir des trucs chouettos. Je pense que c'est ça l'intérêt, ce qui est beau dans le manga. Euh, tu vois, en BD, je vais plutôt faire, tu vois, les Assassin's Creed. J'ai fait un bouquin mm -hmm. sur Itsef qui s'appelle « Les pionniers euh, sur l'histoire ». des C'est Game of Thrones, mais dans l'industrie du cinéma à la fin du 19e. Okay. Où tu comprends pourquoi les Français auraient dû dominer le monde et à force de se tirer dessus, ils n'ont pas réussi. Euh, voilà, mais… On parlait d'adaptation, mais le manga, c'est un peu, un peu pour moi comme ce que je n'ai pas du tout le talent d'un écrivain en littérature, mais c'est un moyen. Il y a de qui parler... demande si elle a le droit de te suivre sur ces, sur tes réseaux. Je, je trouve ça très mignon qu'elle demande la permission avant oui, de te oui, suivre. Ça, sera, ça serait adorable. <laughs> merci. Euh, oui, s'il te plaît. Euh, donc en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans le manga, c'est que ça permet euh, de parler euh, de, alors en manga, de tranches de vie. Tu vois, un manga je Fo Omega complexe. Euh, ou euh, Lord of Chaos chez Pika, c'est genre du gros shonen, de la baston, tout ce que tu veux. Et j'adore le shonen, j'adore le genre shonen, mais je vous dis quitte à créé du manga en France, ça peut être intéressant de faire comme font nos amis japonais. Ils parlent de leur vie, tu vois, dans le manga, ils parlent de tranches de vie, ils parlent du quotidien, ils parlent de gens, ils parlent de concret, mmh. sur différents sujets d'ailleurs. Et euh, je trouvais ça intéressant de faire ces deux sagas alors ça sera les dernières dans le genre tranche de vie que je vais faire mais d'avoir la saga versus fighting story talent of seven ou bien évidemment je parle de ce que je connais je parle de tranche de vie alors c'est fictionné c'est exagéré tout ce que tu veux bien sûr mais euh, je tenais à parler de ces milieux qui me, qui me passionnent et que je connais voilà c'est et c'est ça que je trouve hyper cool dans le, dans le média dans le manga. Euh, et c'est moins complexe dans le média manga, c'est moins complexe. Ah oui, je, ça aurait pu être une série télé, mais c'est un peu plus dur à produire, un peu plus complexe. Ça aurait pu être du jeu, mais puisque ce, ça va être le cas, je vous annonce ce soir. Pascal vient de me le dire. Là, vous venez pas d'entendre, mais il vient de. Vous avez pas vu, ça a été, été signé, ouais. On en fait l'adaptation, et donc c'est génial parce que ce serait l'adaptation <laughs> en jeu du manga adapté d'un autre jeu. Mais Pascal, merci. Et ça, incroyable. De, devant témoin devant et témoin cette loupe en, plus, ça en voilà. plus, là, pour le coup, tu vois, c'est typiquement l'exemple d'un manga qui n'aurait aucun intérêt à être adapté en jeu vidéo. Genre, ça serait stupide de faire ça. Ah, Mais... tu l'as, ça s'appelle YouTuber Life. On ne va pas le faire. Non, on ne va pas le faire. Non, ça serait pas là, pas on ça le fera en, en jeu mobile, si tu veux. Oui, voilà. Mais ça existe ah, déjà en jeu ah, mobile. J'ai gagné un contrat. Merci. 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 Allez, hop. Mais tu viens de voilà. signer pour un jeu mobile, là. Ça y est, c'est parti. Félicitations. Ouais. Je crois bien, ouais. Ah, mais attends, mais bon fait ouais, mangas, je vais mettre l'extrait traduit en jeu vidéo. J'ai fait un, en 2006 un jeu sur téléphone portable. Le manga s'appelait Holy Wars. Et je pense que si sur YouTube tu tapes. Attends, 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 je rigole pas plus. Je dis ça. Mais attends, attends, j'ai fait l'inverse. Ça s'appelait. J'avais oublié que j'ai fait ça. Bon, ça Pendant que Holy Guillaume Wars, est en train de chercher son Sons trailer, jeune gens. Mais non, parce qu'il faut que tu le tapes. Holy Wars Sons of Enoch. Adapté de, et du manga, Holly Wars. Non, mais je dis pour qu'ils puissent montrer l'extrait, il y, y a le trailer là. Holly Wars on the complète gameplay. Tu vois, il y a même un truc comme ça. Mais je crois qu'il y a même un trailer encore sur YouTube. Alors, tu sais, c'était sur les jeux portables, c'est tu sais, quand tu as 192 kilo pour faire tout le jeu. Et je leur avais dit à la boîte de prod, on va faire un Guardian Heroes Cross Final Fantasy 6. Ils n'étaient pas voilà. Et avec je des okay. frames au téléphone portable, c'est sur Nokia, tu vois. Bon, bref. Voilà, j'arrête. Pas du tout Allez. ambitieux du tout. Quoi. On va faire Final Fantasy sur. 33-10, les gars, ça va être ça a pas a... Marché, hein, ça va. incroyable. Il ouais, y avait de l'idée, il y, a... y avait de l'idée. Et en vrai, pour, en vrai, pour, pour du téléphone, téléphone c'est propre. propre hein. Bah attends, mais, mais tu mais vois, t'avais avais avais un, un scénar. scénar, tu vois, t'avais tu le, avais le scénar, scénar et tout. Et avait des après, phases de gameplay. Et t'avais des vrais joystripes, genre Pizza tu vois. Et tu pouvais changer d'arme pendant le combo en l'air et tout. Ah, on est parti très loin. Euh, 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 Guillaume, Guillaume, il y a, il y a Pofima, Pofima, Pofima qui redemande, qui redemande le, la, la série en mode, en mode cinéma, cinéma. On a un God, non, of God, God of War du, of War du cinéma. cinéma. Ah, c'est bon. What hein Il y a Pofima qui redemande quelle est la série où tu as dit « Ah, c'est God of War, mais dans le monde du cinéma, qui explique pourquoi les Français ont perdu. » Ah, c'est les pionniers. C'est indiqué par, euh, plus haut, juste plus haut dans le chat, les pionniers. Ah, ben bah voilà, c'est full token Throne qui C'est Game, Game of Thrones ouais. dans le <laughs> monde <laughs> J'ai lu Got, <laughs> genre ça a fait Game fois alors qu'il n'y a rien à voir. Ouais. Quoi. Euh... Tu vois, Game of ouais. Thrones. Jeune Jean, bon, juste avant de tirer l'heureux élu ou l'heureux élu et eux de, de, du lot de ce soir qui comprend le Pilami tome 33, le jeu Marsupilami euh, qui vous est gentiment offert par Pascal ainsi que le manga Red Zone, un manga traitant de l'intelligence artificielle et qui est particulièrement cool, dans lequel il y a des je séquences de jeux vidéo aussi. aussi. Je l'ai lu. Eh bah, ben, je l'ai lu aussi. Eh ben, j'ai bien kiffé, moi aussi. Et il a été validé par Defun Intelligence, qui est littéralement ingénieur en intelligence artificielle et qui a dit qu'il avait rarement lu de la fiction où c'était intelligemment fait jusqu'à ce que, bien évidemment, ça vire full fiction et tout. Mais les bases sont tout à fait correctes d'un point de vue scientifique, ce qui est chouette. Ça me permet de vous rappeler que The Fairest, euh, le tome 2, pardon, The Fairest Incident, excusez pour mon accent marseillais, The Fairest Incident, le tome 2 euh, sortira le 17 février, tout comme euh, Genesis, tome 6, Jeunes gens, et que du côté de la bande euh, dessinée, vous aurez Nero qui sortira le 3 février, et un tome, et une bande dessinée dont le, le titre me fait rêver, La vie en slip. Qui aurait pu C'est le ton... meilleur titre. Là, <laughs> mais ouais. la vie en slip, c'est parfait. Ah, la vie en slip qui aurait pu être littéralement le sous-titre de ton manga sur, sur la vie de youtubeur ou de streamer. Parce que c'est -ce littéralement la... la vie en slip, étant donné qu'on est filmé qu'ici. Est-ce que la vie en slip, c'est pas le... la prochaine adaptation de MicroEids Et en fait, dans le jeu, tu, peux... tu te bats avec un slip. Tu te bats contre le Saint-Pantalon. Hein. Euh, mais on te non, donne non, des idées, pantalon. Pascal. On pitch. Oui, plein, plein, plein. Je prends, je prends. On en vrai, un en jeu, la vie en fait slip, ça s'achète. Ouais. Oh, je l'appellerais aussi Slip Life. Life. Oh. Slip Stories. Ouais. Ou la fête ouais, du slip. La fête du slip. Ouais. La 21, vie en slip, épisode 2, la fête du slip. Je crois que c'est le 20 juin avant la fête. Elle existe vraiment, la fête du slip. Euh, je crois que c'est le 20 juin. Hey, mais es Véritable de information. T'as <laughs> de... en... déjà la date de sortie. Un Putain. Slip. Un Venmo, slip. Et après, là, ah, non, mais la -y. vie, y quel but, l'épisode 2 C'est l'âge f... adulte, la vie en quel but Et à partir de 18 ans, la vie a... Enfin, tu vois, enfin, tu... Voilà. Going commander on donnera un... Si t'achètes, si on fera un collector avec un quel but dedans avec un vrai caleçon dedans, Dessiner mais tu vois comme avec, toutes les idées les, se mettent des, en place, un, il faut le faire, je suis dizaine, désolé. Un, dizaine, euh, un design par les, les, les dessinateurs de Guillaume. Et on fera, mais ça fait euh, alors plaisir. on a le chat les, qui les, nous dit les, la fête les du les slip existe et ça, ça se passe à mon cul. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. vrai. Voilà. Bah, c'est le premier faire. stage du jeu. La City ça m'étonne <laughs> pas. Voilà. Est-ce que la régie pourrait nous tirer un ou une gagnante s'il vous plaît, maintenant qu'on a fait le tour du slip ça va rester et c'est Mimou, Mimou, tu remportes le Marsupilami tome 33, à un jeu Marsupilami. Et Thread Zone, Mimou, je te laisse MP Dupuis là tout de suite. Tu cliques sur Dupuis Direct et tu envoies ton nom, ton prénom, ton adresse, ton adresse mail. Et au moins il y a tout ça, il part. Dès demain. Et euh, si jamais ils ne sont pas tous bon, un bon petit bon, peu bon. en RTT, récup post. Euh, post festival d'Angoulême, mais normalement ça part dans la semaine et tu reçois tout ça d'ici ce week-end. Donc félicitations, Mimou. Est-ce que pour finir, Guillaume et Pascal, j'ai toujours la même question et la question c'est pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée Mais là du coup je vais rajouter pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée et pourquoi est-ce qu'il faut acheter des jeux vidéo et jouer aux jeux vidéo Parce que on a parlé jeux vidéo aussi. Pourquoi lire de la BD et du manga et pourquoi jouer aux jeux vidéo ah, Pourquoi ne pas le faire Enfin de Ouais. parce qu'on est sur des médiums où on va te dire c'est pas de la vraie littérature et les jeux vidéo ça rend con on est, je sais qu'on est en 2023 mais on l'entend quand même pas mal parce que ça fait 20 ans que ça rend c'est fini c'est 20 ans que c'est plus con de jouer à un jeu vidéo euh... que euh, la BD ça continue à t'ouvrir l'esprit et à t'amener dans d'autres environnements, d'autres lieux et une imagination qui n'est qui euh... pas réservée qu'à l'élite et qui est réservée à voilà, au plus commun, euh, euh, qui est un art à part entière. Donc, il faut continuer de le lire et de regarder et d'aller chercher de la BD. Et que n'importe quel genre, il y a n'importe quel euh, sujet, tu pourras trouver ton bonheur dans n'importe quelle histoire. Euh, pourquoi jouer aux jeux vidéo Parce que tu peux te détendre, parce que tu peux incarner un personnage que tu as envie, que tu peux euh, euh, trouver euh, voilà, des, des, des façons de t'évader différemment, que tu es le maître dans le jeu vidéo, que tu es le maître de ton aventure et de ton histoire, et que tu décides euh, dans des mondes ouverts, ou même dans des scénarios, dans des scénarios euh, scriptés euh, du moment auquel tu veux revenir dans l'histoire et que tu décides, que tu, voilà, tu décides de, de, de ton temps. Euh, et que tout comme, euh, tout comme la BD, il y a un jeu vidéo pour tout. Tu peux euh, t'améliorer l'esprit avec un, un docteur Kawashima, tu peux... Euh, euh, te te défouler avec un Street Fighter, euh, tu peux euh, te faire peur avec un Dead Space. Tu as tous les sentiments et toutes les façons de, de voilà, tout, toutes les, les impressions euh, qui sont traduites dans un jeu aussi bien que dans une BD. Donc, euh, il faut faire vivre la culture euh, sous n'importe quelle forme, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime le... bien poser cette question, parce que je trouve que les réponses elles sont cool à chaque fois. Faites vivre la culture sous quelque forme que ce soit. Guillaume bah, Oui, oui, rapporter. On faire les au sous. moins aussi bien. quoi. <laughs> ça, donnez que... les oui. sous, donnez argent. Oui, euh, envoyez -nous ah, des sous de si si à l'arc. <laughs> la personne aura la rêve. À l'arc, plein de sous. Qui a la rêve Qui a la rêve dans le chat Ah ben Pascal l'a eu cash. Pascal a eu rêve dans le chat Direct. oui, envoyez des sous. <laughs> oui, euh, qui pète. Bon, la wish qui pète. Euh, non. <laughs> cette émission. Alors oui, non. En fait, en fait, ce qui est très important et, et euh, je pense qu'il était, euh, on est. A... Pendant longtemps, même encore quand j'étais ado ou jeune, etc., tout ce qui était euh, culture de l'imaginaire au sens large, donc je mets dedans le manga, la BD, le jeu vidéo, mmh. d'accord, était quelque chose d'extrêmement mal vu à partir d'un certain âge. Par exemple, bon, c'est accepté que tu regardes le club d'eau et que tu joues aux jeux vidéo quand tu étais allé en primaire, voire début collège, mais même ah, euh, les gens plus... autour de toi, dans les classes et tout, on te regardait mal, tu vois, mmh. jeu vidéo. Manga, je l'anime encore pire que jeu vidéo, tu vois. On te regardait mal. Alors, c'était pas que mal vu par les parents, c'était mal vu par les autres. Et et je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que beaucoup d'adultes, nous, par définition, comme on vient de cette génération, on continue à jouer et à lire des mangas. C'est plutôt une bonne chose. En fait, le... la culture de l'imaginaire, au... au sens large du terme, effectivement, ne doit pas être réservée qu'à une élite, donc à l'élite de la littérature. Même si j'encourage si tout le monde a à lire, c'est hyper important de lire. Je lis énormément de livres. Euh, mais dans le développement humain je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important euh, de développer l'imaginaire. Qu'on ne soit pas euh, voilà, réduit à, je dirais, à prendre ce qui passe sur des réseaux sociaux, euh, comme acquis, comme tel, etc. Et euh, faire travailler son cerveau, euh, ce n'est pas juste faire des mathématiques ou, euh, ou je sais pas, ou aller au boulot. C'est euh, justement euh, s'évader et c'est ce qui va permettre de... Bah, de grandir et de s'ouvrir au monde et de sourire à la tolérance. Et le meilleur moyen de sourire à la tolérance et donc euh, d'échapper euh, souvent aux mensonges de ce monde, c'est de se cultiver par, par l'imaginaire euh, et d'avoir un, un champ d'action euh, élargi vis-à-vis -vis de ça. On est dans un monde où le... Où la culture du mensonge s'étend. Elle s'étend parce qu'un mensonge, évidemment, est plus agréable et plus facile à écouter et semble plus rigolo que la vérité, qui est parfois plus sobre. Et, et souvent, un moyen donc de, de se protéger contre la culture de n'importe quoi, c'est de lire ce qu'ont écrit d'autres auteurs c'est de jouer à ce qu'ont écrit des jeux vidéo. Et. Voilà, d'étendre sa culture ainsi. La culture ne se résumant pas euh, à connaître par cœur l'histoire de l'art, euh, par cœur l'histoire tout court ou par cœur euh, l'histoire de la physique quantique. Aujourd'hui, la culture a grandi et c'est acceptée. C'est aussi la pop culture. Donc c'est évidemment très très important de la cultiver au maximum. Voilà, je suis un peu perdu en route, mais vous avez l'idée, quoi. Euh, non, en soi, c'était particulièrement clair. Et je dois t'avouer que ah, bah, c'est la première fois qu'on aborde le <coughs> fait que c'est une jolie façon de se protéger contre euh, bah, les fake news et les mensonges. Et que c'est, une... quoi qu'il arrive, la plus jolie des façons de s'ouvrir l'esprit. On va pas tarder à se quitter avec Aïe. une magnifique transition bricolée par le cul, parce que c'est la tradition dans cette émission. Pendant le live, la régie bricole une, une transition animée qui permet de mettre wow. fin au live que d'habitude. Elle est bruitée à la bouche parce qu'on n'a pas de moyens, mais on a des idées. Or, là, apparemment, euh, étant donné que vous étiez quand même un parterre d'invités de luxe, la régie euh, m'a glissé à l'oreille que ça ne serait pas bruité à la bouche exceptionnellement pour la première fois. C'est là, c'est la faute de comprendre. Guillaume. Pourquoi voilà, Apparemment, c'est ta ah faute. Là, tu vas comprendre. Tu la surprise. Mal. Voilà. Donc, du coup. On va pas tarder à se quitter. Est-ce que juste avant de se quitter, Guillaume, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver la prochaine fois, ta prochaine émission, le prochain contenu qu'on peut découvrir. Bref, ton instant promo. Euh, en ce moment, en fait, tous les jours, si vous allez sur n'importe quel réseau social de Game One, euh, que ce soit Insta, TikTok, Twitter, Facebook, j'ai des capsules qui passent euh, sur le rétro, euh, ou le manga, l'animé, de ça, deux minutes par jour, chaque fois ils en mettent, il y en a 150 000 un des capsules, et on en met à l'infini sur les réseaux sociaux de Game One, donc vous allez sur n'importe quel réseau social de Game One, ce qui n'est pas compliqué à trouver, et vous allez trouver non. mes capsules de rétro, et sinon sur la chaîne de Télé Game One, il y a Hard Looters qui passe en boucle la nuit, donc <laughs> vous pouvez retrouver dans Hard Looters, et euh, en librairie, bah, je ne sais pas, il y a toujours Talento 7, il y a le 2 qui vient de sortir, euh, versus Fighting Story, là le manga vous avez compris tout à l'heure, on en a parlé. La saga Assassin's Creed, conspiration Seconde Guerre mondiale. T'as même attends la saga Assassin's Creed Bloodstone pendant le Vietnam. Ouais ouais les assassins, assassins pendant le Vietnam. On a été très très loin dans le dans le délire. Bah voilà c'est déjà pas mal. Des, merci. Pour Ça tout. vous fait déjà beaucoup 3, de 3, Guillaume d'horizon, slash à 6 Sizou. Il sort pour Japan Expo le tome 3. Le tome 3 et fin de la série il sort pour Japan Expo. Donc on se revoit mi-juillet. Dans oui, le chat. Ouais. Non ah, mais tu as bien fait de rebondir. Donc, euh, mi-juillet pour le tome 3. Et toi, Pascal, prochaine grosse info du studio. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Goldorak. Ah, je ne peux pas vous dire, rien. il y a rien. deux grosses infos qui ne vont pas tarder. Non, bah oui, mais je suis tenu par le secret. Il y a deux grosses adaptations. Bah, on dira rien. Ah, et cela ah, ne bah, nous ouais, regarde pas, pas, pas. On, on ne pas parlera de pas de, de l'adaptation. Euh, soyez présents au mois de février, ça ne va pas tarder. Vous aurez des, des, belles, euh, des belles surprises. Euh, eh, en vrai, on est le 30. Ça va bah, hey, tu ouais, veux pas, on ne un... peut pas faire un jeu de combat astérique, ça serait pas trop de la frappe, franchement. <laughs> Regarde, t'as déjà le gros du jeu, le. Oui, ils tapent tous des dessus. Des, des 3-6, ouais. mais un jeu de fight à as l'Astérix. Mais, ouais. tu vois, ça mais oui. Ça serait pas trop de la frappe. Et on va, on Moi, va, va proposer ça amusant. aux éditions Albert René. Bien, on va tenter. Si on a un studio qui le fait, pourquoi pas Moi, je suis d'accord. T'appelles ça le je, banquier qui est... tourne mal, tu vois Genre, ils se mettent tous sur la gueule et tu choisis ton perso et tout, genre. Bah, je te fais le game design et on prend les programmeurs qu'on fait Street of Rage 4, on est bien. On en a pas. Des contrats se signent sous vos yeux, il va se passer des trucs. Si jamais ouais, vous voyez je un sais. jeu Astérix et Obélix en versus... Avec le moteur de sera, Dragon Ball Fighter Vous pouvez dire si j'y ouais, étais, euh... ok C'était là. Voilà. Super Super avec, avec attaque avec poisson pourri et tout pour le poisson ah, un... un... mais ça serait trop bien. On fait un smash bross. Le bard ouais, qui euh, se bat avec des chants dégueulasses, horribles et tout, comme la guitare de Devil Cry, Mais oui, oui. On n'aura pas le droit, je vous dis tout de suite on va se... On va se faire défoncer, mais c'est pas grave. <laughs> On y va quand même. Ça, fut un plaisir, euh, mes ouais, suis... vraiment. Un véritable Merci plaisir. Et du coup, bah, la régie, je pense que vous pouvez préparer votre transition euh, spéciale euh, pump up. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour du côté de chez euh, Koala. Qui est en train de liveer Lucie Koala, qui est spécialiste de littérature jeunesse, qui est déjà passée dans l'émission bah, pour oui. parler de littérature jeunesse. <laughs> et euh, bah, je vous propose qu'on aille directement chez elle. En plus, elle est en mode lecture d'album jeunesse. Donc, euh, on allait en, en plein dans son rôle. Et putain, elle a une photo de Laurie sur son live. Donc je ne serais que trop vous conseiller de rester pour ce raid euh, de qualité et surtout pour voir euh, la transition qui nous a été euh, bricolée par euh, la régie. Une très bonne soirée d'Alpha, une très bonne soirée Nico, Feynomore, Dijan, Rétro, Guimouz. Merci à tous d'avoir été là. Et euh, surtout, merci, hein. merci beaucoup à tous les deux. On va lancer de raid la et transition vous... et si jamais vous voulez rester deux secondes après pour débriefer, vous pouvez tout à fait. Et sinon, bah, je vous dis un énorme merci et à très bientôt. La régie, tu peux envoyer la transition. Wow! 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 Choose your fighter. C'est très très long. Très wow. stylé. Très stylé. Très très long. propre. Bravo. De la frappe.